Let's go. Putain, faut savoir que j'enlève ça. Salut à tous, bienvenue dans le stream du bordel infini. Où il y a des trucs, des t-shirts. Ça a bordel sans nom. C'est incroyable. Tiens, on va voir là-bas le t-shirt. Oui, parce que je me suis changé. Forcément, quand je mets mon Marcel, parce qu'il faut que je sois beau, tu vois. Enfin, faut que je sois moins dégueulasse. Ah bah, obligé. Attends. Je ne sais plus. On est là, hop, tu vois, la petite limite chocolat fraise. Putain, pas de ce côté-là. Je me la pète pas, hein, c'est juste là, voilà. Chocolat fraise à limite, voilà. Voilà, alors, avant que tout parte en couille, on va fermer Twitter. On va fermer Twitter, on va fermer rien, c'est bon. J'envoie un message. Pardon, un mec. Little message to Diver. Petit message de Divert qui peut peut-être nous rejoindre. Et voilà quoi. Alors donc aujourd'hui, le sujet du jour, s'il en est, c'est l'inégalité salariale homme-femme. N'hésitez pas si vous avez des. J'ai une opinion qui est très. J'ai envie de dire très appuyée sur. Pas sur des mythes, mais quand même sur des faits. Qui sont avérés. Après, tous les faits sont discutables. Si l'on pense que les faits ne sont pas des faits, mais en théorie, voilà. Normalement, les faits ne sont pas censés être discutables puisqu'ils sont des faits. Ceci dit, voilà quoi. Alors, Alors, que je dise pas de bêtises, il me faut un jeu peut-être en attendant. Un jeu un petit peu détendu. Oh, bonjour. Alors, il nous faut un petit jeu détendu. Et j'avais pensé à... Où es-tu? Open tes télé. Alors... Oh là 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 là, taisez-vous tout de suite. Ah, c'est un cauchemar. Ah, paramètres. Ah, paramètres. Ah, campagne interface, non. Ah, c'est le bordel. Attends. Pause. On pose la musique. On étend le slibar. Attends, compagnie contrôlée. C'est où la putain de ta mère? Alors déjà, on va passer là-dessus déjà. On va mettre... En espérant avoir la petite vue qui va bien. Game capture, mais non, pas Baba Is You. Bien sûr que non. C'est ça. Voilà. Ah, mes bits. J'ai l'impression que le jeu a décidé de... Putain, mais... Ça marche ou pas ça? Eh, ça rend dingo. Ça rend dingo. Ah! Merci. Non, toujours pas? Eh, mais sans déconner. Alors attends. On va faire capture de fenêtre. Putain, mais quel cauchemar. Ajouter une source. Oui. La méthode de capture, on s'en fout. Fenêtre. Ah, mais pourquoi? Sous ma gueule. Mais non, pas que... Mais non, s'il vous plaît. Eh, mais... En bas. Eh, si ça capture pas le jeu, par contre, je vais être un petit peu en colère. Eh, mais tu te fous de ma gueule, en fait. Eh, mais ta mère, en fait.
Alors, on a mis Transport Tycoon Deluxe, hein, mais apparemment le jeu me décide de m'envoyer chier partout. Divert, anthropocentrisme, es-tu pour ou contre? Oh là, ça dépend en quelle mesure. Attends, putain de ta mère. La musique, s'il vous plaît, la musique. Véhicules ont des villes, sont de base. Ah, ça. Nos musiques, voilà. Ouh. Voilà. Alors. Est-ce que je peux mettre moins fort quand même le son? Ah, c'est peut-être dans le jeu. Alors, anthropocentrisme, est-ce qu'on est pour ou contre? Ah bah, voilà une question qu'elle est compliquée quand même. Hein. Parce que moi, je pense qu'il faut... Putain, mais ça me casse les couilles. Est-ce qu'anthropocentrisme, je veux dire, est-ce qu'on construise tout autour de l'homme, en fait, hein, c'est ça hein. C'est l'homme qui au départ et puis après on fait autour. Alors attends, window capture. Attends, je vais faire un capture d'écran. Parce que sinon on va se faire chier. Oui ça. Tac, et voilà. Bon, par contre, faut aller là. Ah mais ça va me faire chier là en fait. Alors, nous disions, pour ou contre l'anthropocentrisme, bah j'ai envie de dire quand même relativement contre, parce que je pense qu'il faut une harmonie avec la nature, il faut vivre avec, il faut vivre avec et pas contre, en fait. Alors. Putain, mais tu me fais chier, toi, le jeu, là. Plein écran, oui. Ah non. Ah, du coup, est-ce que peut-être... Si je fais ça... Et que je fais ça... Attends. Est-ce que ça marche? Ouais, mais c'est trop dur, c'est trop fort, là. J'ai pas de volume, le putain de ta mère. Bon, ça me fait chier. Non, ça me fait chier, ça me casse les couilles, en fait. En fait, je pense que un endroit comme le Japon, ils sont presque à la bonne température, si tu vois ce que je veux dire. Ils sont à peu près comme il faut. C'est-à-dire que le Japon, ils ont cette tendance à vouloir vivre avec et construire autour de la nature, en fait. Il y a des trucs qui sont ultra ultra protégés, ultra ultra presque sacrés en fait au Japon, où ils construisent autour. Tu regardes par exemple la Chine, eux ils cassent tout et ils construisent, ils s'en foutent. Les Japonais, je veux dire, si hein, le petit champ machin sacré mon cul, ils vont faire une tour qui va autour, tu vois. Ils vont pas dire au propriétaire, vas-y je te file 4 millions, j'achète ton champ et va niquer ta mère. Non, non, non. C'est pas l'ambiance au Japon. Au Japon, c'est quand même un peu plus bien foutu, quoi. Voilà. Et toi, qu'est-ce que tu penses de l'anthropocentrisme? Parce qu'au final, moi, je pense que pour trouver un équilibre et qu'on arrête de nous casser les couilles avec le monde qui va cramer demain, il faut quand même un petit peu faire les choses bien. Il faut prendre en considération tout ça, quoi. Voilà. Je pense. C'est mon avis. Voilà. Et je pense que les technologies prochaines, le futur de la technologie, dans tous les domaines, en fait, va éliminer l'anthropocentrisme de plus en plus. Je pense qu'on va reculer et qu'on va laisser... On va avoir la possibilité, parce que à force de tout minimiser, on va avoir la possibilité de laisser la place à la nature. Et ça va être bien. Je pense que on n'a pas besoin d'une maison de 500 mètres carrés, tout ça, quoi. Je pense que si on est tous une petite baraque, tu sais, allez, un petit 100 mètres carrés,
avec 80, allez, un petit 80 mètres carrés tranquillou. Dans la... au bord de la forêt, tu vois. T'es bien en vrai. Qu'est-ce que tu veux de plus? Qu'est-ce que c'est qu'on va jouer? Bon, j'ai un petit truc hein, en attendant. Hein. Et du coup, moi j'avais posé la question, la parité homme-femme au niveau salarial, qu'est-ce que tu en penses? Et surtout, est-ce que tu penses que l'inégalité salariale est réelle ou pas? Est-ce que vraiment c'est un problème de société ou pas? Ça, c'est la grande question, parce que j'ai un avis qui est un petit peu spécial sur le sujet. Enfin, un peu spécial, non. Hein. J'ai un avis qui est lié à mon vécu. Et qui est vraiment mon vrai avis, quoi. Moi, je vais vous dire, en fait, ce que je pense à ce niveau-là. Moi, j'ai 37 ans. J'ai vu des inégalités salariales dans ma vie. Exactement. Et ben moi, c'est pareil. J'en suis exactement là. C'est-à-dire que je vois des gens qui crient au scandale, je sais pas quoi. De toute ma vie, de tous mes 37 ans, je n'ai jamais vu une seule fois, je n'ai jamais bossé une seule fois dans un endroit où les femmes étaient moins payées que les hommes. Jamais. Dans tous les boulots que j'ai fait, que ça soit même avec les pourboires, tout, en fait, on a toujours partagé de manière à ce que... Et en fait, les inégalités salariales, même que souvent j'étais payé moins que des femmes qui avaient plus d'expérience, c'est tout à fait normal. Et oui, c'est vrai. Et j'ai envie de te dire, on oublie un principe qui pour moi est fondamental, c'est que quand tu vas bosser quelque part, et ça tout le monde oublie, hein, on l'a tous oublié à un moment donné, quand tu vas bosser quelque part, tu trouves un boulot, tu vas quelque part, tu vas en fait on va dire, bah voilà, le salaire c'est, je sais pas, on va dire, c'est, je sais pas, 2000 euros par mois. Et bah, toi, en tant que personne, en fonction du contexte et tout, tu as le droit de dire, bah, d'accord, ok, mais bon, il va falloir faire un petit effort, donc bon, du coup, pas ok. Il va falloir mettre un petit peu de... Ça se négocie, en fait. Un salaire se négocie. Et tout ça, c'est des choses dans que les femmes n'ont peut-être pas autant le réflexe de faire. Ce que je peux concevoir. On n'a pas tous ce réflexe de dire, bah tiens, vas-y, fuck. Brutal, poids, mais tes sujets, c'est de pire en pire. Mais pourquoi c'est de pire en pire? Tu rigoles, c'est un sujet très important. Justement, j'étais en train d'en parler, bah viens en vocal. Celui qui veut, viens en vocal. Hein. Je suis sur le salon Just Chatting. En fait, le sujet, il est pas horrible. C'est un vrai sujet de société, parce qu'on a de plus en plus de... Tu sais, ça nous chiale dans la gueule. Ouais. Et moi, je pense que l'inégalité salariale, c'est essentiellement des légendes. Je pense que c'est relativement pas vrai. Et je pense que c'est des cas très rares. Et c'est souvent punissable par la loi, en fait. Sauf que... je sais pas, on nous vend ça comme un truc qui est infini tout le temps, que c'est toujours la même chose, quoi. Enfin bon, bah viens en vocal, toi, grosse gueule, là, au lieu de parler bête. Et il faut aussi savoir que la moyenne, quand on nous parle de la moyenne des salaires, alors ça, c'est un truc qui est très très important, n'oubliez jamais ça, et ça montre peut-être la malhonnêteté de ce qu'on nous dit. Quand on nous dit oui, les salaires, l'inégalité des salaires, on nous donne des moyennes. Asvenar, en tant que mec, en tant que Mac ou mec, je paye plus mes femmes que mes hommes perso. Oh le bâtard. Mais c'est un petit peu meuf comme bague. Non, mais c'est une blague. Je prends. Alors après, est-ce qu'un mec qui avale, est-ce que tu le payes moins? Moi, la nana qui crache dans l'évier et le mec qui avale, moi je dis ouais, madame, let's go, hein. Faut accepter que monsieur se paie un petit denier de plus. Non, mais alors, en vraie vérité, hein, là, j'ai un chewing-gum là, très bien. Mais sérieux, je crois que ce problème se passe uniquement aux États-Unis et leur média est tellement fort que l'impression que c'est partout. Alors, mais madame pourrait faire un effort, c'est pas faux. Je vais me faire mal.
Non, aux États-Unis. Alors, non, c'est pas que aux États-Unis. C'est un débat qui est très très présent à peu près partout. Et en France, il y a eu ce débat-là. Il y a eu ce débat-là qui a un moment occupé les médias partout. Facho, les hommes, tous des connards, machin. Il faut savoir que les patrons d'entreprise, les grands patrons, sont dans la moyenne. Donc, j'ai quand même un petit peu de fromage de temps en temps. C'est les Jeff Bezos, les Elon Musk. Tous ces gens-là, en fait, ils sont dans la moyenne. On calcule ces moyennes-là. Ils font partie du calcul, en fait. C'est-à-dire qu'on va les, on va prendre leur, on va prendre ce qu'ils gagnent, on va les foutre dans la balance et on va faire la moyenne. Sachant que des grands patrons, il y en a beaucoup plus qui sont des hommes que des femmes. Un mec comme Bernard Arnault, qui est un des hommes les plus riches du monde. Bernard Arnault, donc groupe LVMH. LVMH, L'Oréal, Dior, ou je sais pas quoi, ou Chanel, enfin bref, tous les grands trucs, quoi. Le luxe à la française. Ce mec-là, il gagne beaucoup d'argent. Tiens, combien il gagne? Alors, salaire. Bernard Arnault. Bernard Arnault, le salaire s'élève à un peu plus de 3 millions d'euros. Bon. Donc, 3 millions d'euros, en fait, ça veut dire que dans la moyenne, tu fous 3 millions d'euros pour un mec. Un mec. Et après, il faut aussi se dire, est-ce que aussi dans l'inégalité salariale, on n'a pas le désir de carrière chez les hommes qui est supérieur à chez les femmes, de manière générale. On parle de moyenne, hein. Est-ce que les hommes n'ont pas envie plus de faire carrière que les femmes? On peut pas comparer des entrepreneurs. Leur salaire est 100% basé sur... Oui, c'est vrai. 100% basé sur la performance. Mais là, on parle quand même de 3 millions pour un homme. Un homme qui ramène 3 millions. Hein? Bon. Et alors, je crois, cet homme-là, c'est un salaire qu'il se verse. C'est un salaire. Ça compte comme salaire. C'est pas des dividendes ou je sais pas quoi. Non, les dividendes, ils touchent, je sais plus combien. Je crois que l'an dernier, en dividende, il a touché, je sais plus combien de millions, c'est ridicule. Bah d'ailleurs, là, cette année. Regarde Manuel Ferrara, sacrée performance. Ah mais Manuel Ferrara, c'est la performance non-stop, quoi. Lui, il a fini, mais il a pas fini. Il t'en met une petite couche, quoi. Parlant de Mike. Regarde Manuel Ferrara, en parlant de Mac. Eh, c'est pas un Mac. Alors lui, c'est un producteur et tout. C'est un mec, il a fait son. J'allais dire. Il a fait son trou. La finesse, quoi. La finesse à la Mimzou. Il a fait. Bah lui, il a fait un. C'est un mec qui mérite ce qu'il a, clairement. Attends, j'ai le fil de mon micro qui part en couille. Hop, et voilà. Non, Manuel Ferrara, c'est un mec. Bon, pour le coup, lui, c'est vraiment l'entrepreneur parce que je sais pas si. Peut-être qu'il se verse un salaire. Divert, il faut savoir que. Qu'en France, on a cette possibilité, c'est que quand on est entrepreneur, chef d'entreprise, je sais pas si c'est comme ça au Canada, hein, tu te verses un salaire, ou alors, en fait, en général, ce qu'ils font, c'est que les patrons se versent un petit salaire, et en fin d'année, prennent des dividendes. Pourquoi? Parce que recevoir des dividendes, tu es moins taxé que si tu fais que si tu fais un salaire. Si tu as 1500 euros de salaire, il faut sortir à peu près 1500 euros. De charges patronales, c'est-à-dire qu'en tant que patron, il faut que tu sortes 1500 euros de plus, et en tant qu'employé, sur ton salaire, tu vas payer encore des impôts. Donc, tu vas sur 1500 euros, tu vas peut-être toucher, je sais pas, payer 300 euros de salaire, d'impôts, non, peut-être pas, allez, 200 euros. Tu payes 200 euros d'impôts, t'as posé mon chewing-gum, ouais, y a un truc qui me fait mal là-dedans. Tu vas payer 200 euros d'impôts. Et voilà. C'est un peu le bordel. Non, moi je me verse un petit salaire et je compense en dessous de table. Ah oui, oui, ça c'est avec le cash, oui, bien sûr. Bien sûr que tu peux faire ça. Lolo, tu confirmes le dire de monsieur? De quoi? Manu, c'est le GOAT en vrai partie des caves de Paris, into Los Angeles. Ah non, mais Manu, c'est un mec. Il a raconté le début de sa carrière, un petit peu comment ça s'était passé, c'était un petit peu du pifos, et puis finalement il s'est retrouvé avec des coups de quéquette un peu partout dans le monde, quoi. Je coûte 3000 balles à mon patron environ. Ah bah oui,
Si t'as 1500 balles de salaire, ouais. Tu remets 1500 par-dessus, quoi. Wesh. Et donc, en fait, si après, sur ton salaire, tu as payé à peu près 200 balles d'impôts, donc il te reste 1300 euros. Donc, en fait, sur les 3000 balles, il y a plus de la moitié qui part, en fait. Ah, la France, bah ouais, hein, oui. Alors que si tu prends techniquement des dividendes, alors, tu te verses un petit salaire de 1000. Tu te verses le minimum, genre 1200 balles. Tu coûtes 1200 balles à la boîte. Et en te versant ça. Alors, parce que moi, j'en discutais avec ma patronne. Alors, dans l'ordre. Le truc, c'est que si tu te verses un salaire à toi, avec ta boîte, tu cotises pour la retraite. Tu cotises pour le chômage et tu cotises sécu normal et tout. Pas de problème. Si tu te verses juste de la thune sans salaire, si tu te verses pas de salaire, alors tu peux te verser de la boîte, machin, mais que c'est pas un salaire, tu ne te déclares pas comme salarié, moins de charges patronales, mais tu payes pas le chômage. Si ta boîte est cool, tu l'as dans le cul. Tu ne payes pas de retraite. Il faut une complémentaire retraite, absolument. Il faut un plan d'épargne retraite, absolument, pour les entrepreneurs comme ça. Sinon, tu l'as in the fion. Tu l'as dans le cul. Moi, je te le garantis. D'ailleurs, moi, avec mon spectacle de magie, là, je pars sur des bails où la retraite, je me la fous là-bas, en fait. Mais ça a failli être le sujet de ce soir. L'investissement, l'économie, quoi. Mais on a la possibilité d'investir dans des trucs qu'on ne nous apprend pas. Et ça, c'est dommage. Il y a des trucs qu'on ne nous apprend pas. À l'école, putain, si seulement. Et personne ne nous explique qu'il faut absolument préparer son avenir soi-même. Et ça c'est important. Préparer son avenir soi-même. Pourquoi? Parce que si tu ne prépares pas ton avenir, tu l'as une zofion, quoi. Vas-y, passe vocal vite fait. Mais vas-y, passe genre t'as une vie, toi. Attends, je cherche un jeu auquel jouer en fond, quoi. Transport Tycoon ne veut pas. Putain, j'ai mal à Chico que j'ai pas mal avant là. Mais genre là tout de suite. C'est pas bon ça. C'est pas bon ça. Et ouais. Aujourd'hui, j'ai acheté Songs of Conquest. Une vie, j'ai un métier, moi, enculé. J'ai un métier en. Pff, bonsoir, putain. J'ai pas une vie, j'ai un métier enculé. C'est quand même pas une manière ouf de dire bonjour, hein, je crois. Hein. C'est quand même pas dingos. Merde. Alors je Bon, recommence. bonjour enculé. Ah bah J'ai pas tiens. une vie, j'ai un paf enculé. C'est bon, c'est mieux. Ah oui, ouais, c'est mieux. Pardon, excuse-moi. Et du coup, ce soir, ça a failli être le sujet, c'était où ça? Où l'économie? Enfin, l'investissement in life, tu vois? Je suis d'accord avec la dernière phrase que tu as dit avant que je coupe le stream pour te rejoindre. C'est vrai qu'à l'école, on devrait avoir des cours sur les investissements. Ah oui, mais carrément. Et on pourra en parler, hein. On pourra en parler complètement. Et la troisième chose que j'ai voulu lancer, c'était la culture woke slash le transgenre. Transgenre. Ah, mais j'ai. Tu es sur des terrains glissants là. Mais qu'est-ce qui. Mais alors moi je vais te dire. Alors moi je vais te dire. Attends, 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 stop, 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 stop. Alors, stop, stop, stop. C'est quoi le risque? Il y en a qui vient devant chez moi et me balance du tofu? C'est quoi le. Sans déconner, je vois pas. Le truc, c'est que tu risques de te faire attaquer en justice pour avoir insulté une flaque de couleur. C'est ça, Est-ce que tu as vu la vidéo du passage piéton qu'ils ont fait couleur drapeau LGBT? Et c'est le. sérieux. Et les. Attends, 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 attends. Il y a la police à cheval qui marche sur la route. Le cheval, il voit ça, il veut pas marcher dessus, il a peur. Mais c'est des couleurs, c'est beau, c'est tout joli, tout plein. Non mais alors en soi, Mais je sais pas. d'accord, les couleurs c'est beau, etc. D'accord. Sauf que pour ce délire-là, je trouve qu'à un moment donné, t'as envie de te faire passer comme Monsieur Tout le Monde et juste bah c'est la vie, genre je suis tout un alphabet, etc. Voilà. Plus plus. Ouais, un alphabet plus, c'est vrai. Eh oui, tonton. Ah, eh oui. Eh oui. Sauf que à un moment donné. Si tu veux être comme tout le monde et ne pas être mis entre guillemets à part, pourquoi tu te crées un drapeau spécialement pour toi? Déjà là, je trouve ça un peu con.
genre t'as pas à avoir un drapeau pour te justifier alors que techniquement t'es comme des sauvages. Les mettre de côté trop longtemps, du coup il nous faut nos couleurs pour nous représenter, pour montrer que oui, mais à ce moment-là que tu veuilles te représenter, ok, sauf que du coup tu peux pas venir et dire je suis comme vous tous, alors que bah du coup je me représente par un drapeau auquel vous, vous n'êtes pas mêlés. On les entend presque pas. Ah 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 ah, bien joué. J'ai. Ce débat-là, ça me rappelle un film. Bon, ça a peut-être rien à voir pour vous, sauf si vous connaissez. J'échange ça un peu. Ça m'appelle le film de la vague. Quel pas vous, vous entendez la musique au moins? Qu'est-ce qu'il y a de la musique? Je suis pas sur ton stream, Mims, donc je peux pas dire. Si, il y a la musique, on entend. Alors, par contre, oui, les. Pour en venir à l'égalité, l'inégalité salariale, pseudo-légendaire, le truc c'est que t'imagines toi la vague justement de transgenre mon cul LGBT, ouah, ça te défonce les moyennes, en fait ça ruine tout en fait quelque part. Oui, parce qu'au final tu peux te ramener, même nous hein, à l'heure actuelle, juste avec leur délire d'identité, mais couille, tu te ramènes, non mais moi je le considère comme femme en fait. Alors, j'ai vu récemment un thread qui était vachement intéressant sur Twitter où il y a une nana qui a fait une vidéo qui a dit voilà bonjour je suis chef d'entreprise tout l'LGBT tous les woke machin elle a dit ça sert à rien dans les CV je recruterai jamais elle a dit le truc si je vois sur un CV mes pronoms sont elle a dit poubelle instant et les gens ont fait ah choqué transphobe connard sale pute de merde. Logique. Alors je vais te dire ce qu'elle a dit. Elle a dit parce que ces gens-là, en fait, ils vont venir, on va les embaucher et ils vont avoir des petites exigences et ils vont être choqués par ci, choqués par ça, machin. Et parce qu'elle m'a pas appelé monsieur, madame, .8. Et en fait, elle a dit non. Et dans les commentaires, t'as les mecs qui disent je suis chef d'entreprise, pareil. Et tous pareil. Ils ont oui, tous. Mais en même temps, c'est normal. Tu t'imagines, genre, un vendeur ou un serveur ou n'importe quoi. T'as un client qui arrive, qui dit « Monsieur, s'il vous plaît, j'ai besoin d'aide. » Et finalement, « Ah non, mais c'est madame. » Bah non, en fait, genre, c'est le meilleur moyen de faire couler ta boîte et de plomber le truc. Bah le truc, c'est que, alors, moi j'ai déjà eu ces réflexions. Alors, comment dire, moi j'ai fait partie d'équipe de management, d'accord. On nous a expliqué, et moi j'ai découvert en France que c'était pas toujours le cas. Surtout, moi j'ai bossé dans le monde du casino, tu vois. En fait, on m'a expliqué, on m'a fait comprendre, hein. On m'a dit « T'as un client qui exige un truc. » Eh bah tu fais au mieux pour l'accommoder, c'est normal. S'il commence à casser les couilles, s'il commence à casser les couilles, il y a 10 clients pour sa connerie, dehors. Il dit on n'a pas le temps. Moi je perds pas 10 clients pour qu'il y ait un mec qui dise de toute façon je vais mettre un avis sur Google, hein, je vais être trop vénère et je vais vous dire que de toute façon vous mangez de la viande. En fait, à un moment donné, tu vois, c'est. Moi c'est comme ça que je fonctionne aussi à mon taf et mon patron il le sait très bien. Pour moi, effectivement, le client est roi avec certaines limites. C'est-à-dire que oui, tu as le droit d'arriver en tant que client et d'exiger quelque chose en premier. Et encore une fois, il y a des limites. Maintenant, clairement, je réagis un peu pareil que le patron qui disait ça. Mais moi, clairement, tu as un client qui vient avec une exigence, puis une autre, alors que j'ai 10 clients à côté. Clairement, je m'en branle de ça. Exactement. Genre, tu veux mettre un avis sur Google, mets un avis sur Google. En soi, bien sûr. Un avis... Enfin, une personne non satisfaite, 10 satisfaites sur le même temps, bah, j'ai envie de te dire, je préfère les 10 personnes satisfaites que l'inverse. Tu bosses dans quoi, toi? Moi, je suis vendeur. Dans quel domaine? Dans l'alimentation animale. Ah oui, c'est vrai, les croquettes, tout ça. Oui, c'est ça, les croquettes. Etc. Les croquettes. Oui, c'est le des croquettes, tout à fait. Je vends des animaux pour qu'ils soient mangés par des autres animaux. C'est un peu ça, ouais, l'idée. Je vends des souris pour les serpents, c'est normal. Alors, techniquement, je vends pas de souris. Je vends vraiment que des choses non vivantes. Non vivantes. Donc, il peut vendre de la bouffe pour que tes souris soient engraissées pour tes serpents, par exemple. Donc ça, oui, je peux. Donc, tu vends des gens transgenres? J'ai essayé. Et la paf? Non, mais calmez-vous, c'était une blague. On a failli mettre la clé sous la porte. Tu parles des croquettes, tu les appelles Yel, c'est bon, c'est très bien. Non, mais en vrai, tu sais que genre vraiment par rapport à ça, ça a toujours été un peu ma crainte parce que quand on voit comment le monde il évolue, etc. Tu sais quand t'as un client qui rentre, alors nous c'est toujours bah soit bonjour monsieur, madame ou messieurs dames selon s'ils sont durs. Mais bien sûr. Et je me suis toujours dit, imagine le jour. Alors je sais pas comment je pourrais réagir, hein, mais je pense que je réagirais en vrai. Le jour où
Et j'arrive, je dis bonjour monsieur, et que le mec me tape un scandale, parce que non mais c'est pas monsieur, c'est madame, gna. Ça t'arrivera. Ça t'arrivera. Et bah moi je me suis déjà posé la question aussi, qu'est-ce qui se passe si, si l'autre il me dit non mais c'est madame en fait. Dans je veux dire, tu dis, c'est bien. Bah, peut me faire... Non mais tu. Non, en soi, je pense que t'as pas besoin de partir dans des gros débats comme ça parce que c'est un client. Donc au pire des cas, moi je pense que le mieux c'est de commencer simplement par excusez-moi, bonjour madame, tu vois. Et puis tu te rattrapes comme ça. Et puis maintenant que tu le sais, bah, en soi tu t'en fous. C'est un client, il passe, il fait son truc, il repart. Voilà, t'en as rien à foutre. Et maintenant, et machin, machin, problème, machine. C'est... Pardon. là où il y a le problème, c'est si du coup tu t'excuses, tu le rappelles madame, tu vois, pour lui faire plaisir, et que derrière, du coup, il te fait un scandale. C'est là où je me dis, ça peut coincer, tu vois. Parce qu'en soi, partir dès le départ sur un débat, sur oui, mais qu'est-ce qui me dit que vous êtes une femme ou un homme. Non, tu t'en bats les couilles, comme dit, tu juste, voilà, excuse-moi, madame. Et... Oh, je vais changer le titre du stream, je vais mettre transgenre. La culture woke. Ça a vite dévié là. Cargo ou limace. Je mets la culture woke, putain, on va rigoler. Non, mais le problème, c'est que le problème. En fait, je vais dire le problème qu'on a. Moi, je vais dire le problème. Je vais dire le problème que. Qu'est-ce que c'était? C'est un chien. C'était un chien. Elle en fait du bordel, ta femme. Lol. Alors. Non, ça c'était plutôt la chienne. La chienne, elle a pas un nom quand même, putain, sérieux. La vaisselle. J'allais dire, j'avais ce... De quoi? Putain, je sais même plus où j'en suis. Je démissionne de la vie. Ça fait 34 minutes que je stream et c'est déjà le bordel. Non, en fait, donc j'ai changé le titre du stream pour Culture Woke. Parce que Culture Woke, en fait, comme je disais, en fait, c'est la culture... Non, mais c'est vrai. Moi, j'ai un gros problème avec ça. J'ai un gros problème, c'est qu'en fait, c'est des gens qui se battent pour être les plus grosses victimes et qui veut qu'on les traite tout le temps comme des victimes. C'est que ça, c'est les gens, en fait, quand on leur dit qu'il faut se bouger le cul pour avoir des choses dans la vie, que personne va rien te donner, ils font mais moi je veux qu'on me donne des trucs, et puis après ils gueulent, puis ils hurlent, et puis ils se regroupent, et puis ils hurlent encore plus fort. Et moi ça a toujours été, alors, pas à prendre au pied de la lettre, bien entendu. Ça a toujours été une communauté tellement persécutée, tellement mise de côté, que forcément, constamment, ils sont passés pour des victimes et ils ont été habitués comme ça. Oui, sauf que... Attends, commence à avoir des trucs, surtout que tu peux pas dire que ça a été toujours une communauté persécutée, sachant que, à la rigueur, au tout début des trucs là de l'alphabet plus, t'avais les gays, les lesbiennes. Ensuite, t'as eu les trans... Et les bi. Non, les bi. Ouais, c'est LGBT, c'était c'est lesbien, gay, bi et trans. Ouais, c'est ça. Bon, après, voilà. T'avais ça, bon, à la rigueur, ça a toujours existé, ça se cachait, etc. Parce que voilà. Alors, moi, je vais dire un truc. Moi, je connais une personne, une belge. Hein. Une belge, c'est une nana qui s'appelle Cathy, d'accord? Cathy, c'est 1m80, 90 kg, c'est un rugbyman. Et avant, elle s'appelait Marc. Alors, moi, je l'ai pas connue en tant que Marc, je l'ai connue qu'en tant que Cathy. Quand je l'ai connue, j'avais peut-être une. Je sais pas, une quinzaine d'années, non, tu vois. Non, c'est Jade. De quoi? D'accord, oui. Non, alors, pour la petite info, Mimzou, putain, je pense que tu veux nous raconter, nous, on a eu la même chose aussi de notre côté. Oui, d'accord. Sauf que moi, c'était il y a plus de 20 ans. Et, allez, on va dire, ouais, si, ça fait 20 ans. Et là, en fait, elle est devenue, elle est devenue une femme. Et elle a fait sa vie, quoi. Elle a jamais voulu, machin et tout, essayer de tu vois, de sortir du lot, de sortir du truc. Elle a fait sa vie, quoi. Elle a fait son truc et elle a rien demandé à personne. Tu vois le truc? Et c'est quelqu'un qui a une carrière, qui bosse bien, qui est bien dans son boulot. C'est un peu bizarre quand tu la vois parce qu'effectivement, tu vois que, tu vois que c'est John Alomou avec des lunettes et des cheveux longs, tu vois. Mais, un peu plus pâle parce qu'elle est belge. Mais ce que je veux dire, c'est que tu passes au-delà de ça parce que. Et ça dérange pas parce que t'as vraiment ce côté, c'est naturel et c'est une personne intègre, authentique, une vraie personne cool, tu vois.
C'est pas, putain, c'est pas les trucs de maintenant, là, où ils vont faire des manifs et ils hurlent comme des gros tarés. Oui, Quand parce tu leur poses des questions, tu dis, alors, du coup, vous êtes, est-ce que, tu leur demandes s'ils sont à l'aise dans leur peau et si, machin, alors, qu'est-ce que ça change maintenant que vous vous êtes fait couper la bite et que vous devez retourner comme un gant de toilette et que maintenant, faut lubrifier dès que vous baisez comme un gros porc? Et tu mets le micro, puis ils font, et ils hurlent comme des gorilles avec leurs cheveux bleus, là, et ces piercings. Mais moi, je crois. Alors, c'est pas méchant, hein, ce que je dis. Hein. Encore une fois, je cherche pas à être méchant, mais je comprends pas pourquoi on en arrive à ça. Des personnes qui veulent la paix et qu'on les accepte, ils font tout pour qu'on leur dise que c'est des gros demeurés, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Alors, c'est pas tous. Moi, Alors, j'ai bossé. attention, nouveau débat. On appelle ça des véganes. Oh, pardon, la glissade. La glissade. Alors, ma femme était végane pendant un moment, hein. Ah non, mais après, c'est pareil que toute communauté en fait. T'as vegan et vegan. T'as C'est les ça. vegan simples, t'as les vegan extrémistes. T'as En les fait, vegan ceux qui se nazis. font plus entendre, voilà, c'est ça. Et ceux qui se font le plus entendre et qui du coup cassent tout le mouvement, c'est justement les vegan nazis. T'as pas vu l'autre taré là? L'autre taré qui allait je sais pas où, qui prend au pupitre, qui fait Ne nous mangez pas! Ne nous Oh mangez pas! oui. J'ai vu Oh, ça, j'ai dit, putain, mais. J'ai dit franchement, j'espère qu'ils n'ont pas payé l'entrée parce que c'est cringe un peu comme pièce mais de tu sais, théâtre. c'est comme l'autre qui du coup avait débattu avec un boucher, qui avait donné raison au boucher finalement, parce que Ouais. en fait sans s'en rendre compte, elle a donné toutes les Ils réponses qui donnaient raison au boucher, m'ont pour demandé. au final être là juste en mode, bah oui mais non faut quand même pas faire ça. Mais tu donnes raison au boucher, donc en fait du coup t'es d'accord avec son point de vue, mais finalement tu l'envoies paître parce que bah non bah en fait je suis pas contente, j'ai juste pas envie qu'on mange de viande. Et mange pas de viande toi si t'en as envie. Moi si j'ai envie de bouffer un putain de steak juste devant ta gueule, je le Exactement. fais. Genre Il y c'est pas toi a qui l'as en toi. un débat qui est C'est super intéressant. d'ailleurs un débat comme ça sur YouTube que si ça vous intéresse Ça vraiment, te c'est dérange dans pas de deux me couper choses. en fait. Apparemment. Ouais, je te coupe. Alors, hein, que Link the Sun a fait avec un vegan justement, Qui où il ça? a donné les arguments de la gastronomie. Link the Sun, sur Ah. YouTube. Ok. Il a Parce donné que. les arguments justement de la gastronomie française, de la santé, etc. En gros, bah, il a défendu la viande, entre guillemets, en général. Et en face de lui, il y avait un mec 100% vegan qui lui a exposé, lui, par contre, ses arguments et qui lui a prouvé que, bah oui, c'était possible, il fallait seulement le vouloir, il fallait arrêter de forcer les gens à le faire. Alors, y a un super débat que tu peux voir entre Fabrice Eboué qui mange avec des vegans et il découvre un menu entièrement vegan. Et il se régale, il dit Oui, que alors c'est je très reconnais bon. ça. Sauf que, Je reconnais, c'est le alors. pote qui a fait là-dessus juste après. Ah, C'est oui. Barbaclu non plus, je Ah, crois. ouais. Et en fait, dans le débat, donc ils mangent ensemble et dedans, il y a un vegan assez modéré, il y a une vegan qui est ultra extrémiste en fait. Et elle, à la fin, elle a dit non, mais on peut pas s'entendre, c'est pas possible, c'est pas possible. Et l'autre vegan, il dit, je vous ai entendu, je vous ai compris, je peux pas dire que je ferai ça, mais voilà. Après, moi, je veux dire, les vegans, le problème qu'ils ont, c'est que, par exemple, il y a, c'est des mecs, à partir du moment où tu dois prendre des suppléments en pilule, ça veut dire que ton alimentation a un problème. Et en général, c'est la vitamine B12. La vitamine B12 qui est vitale pour le corps, si tu n'en manges pas, tu meurs. Et il faut savoir que les véganes, ceux qui sont vraiment véganes, ils prennent de la supplémentation B12 parce qu'ils ne trouvent pas de B12 dans les. C'est exclusivement dans les produits animaux. Mais, moi je leur ai déjà dit aux véganes, manger des œufs, ça tue personne. Et l'autre, ils disent, non mais c'est produit animal. Les Oui, mais. poussins, tu les poussins. Oui, mais en fait, le truc, c'est que l'œuf, tu le bouffes ou tu le bouffes pas. Tous les jours, il y aura un œuf. Tous les jours. La poule, elle Alors fera un œuf après. tous les jours. Donc tu le bouffes, tu le bouffes pas, c'est pareil. Ta poule, si elle est dans ton jardin, tu fais une petite cabane et tout, la poule, elle est heureuse comme pas possible. La poule sauvage, ça n'existe pas. La poule, c'est domestiqué, il n'y a pas de poule sauvage. T'es obligé qu'elle soit quelque part, la poule. T'es obligé qu'elle soit. Si tu les. Sauvage, elle fait. Tu sais, c'est comme courir sur l'autoroute, une poule dans les bois. Hein. 20 secondes, plus personne. Tu prends les œufs, tu les bouffes, t'as ta B12, t'as tout ce qu'il faut. Putain, mais t'es comme un roi. Tu bouffes tes œufs comme tu boufferais de la viande. Pff, mais t'es tellement bien. En plus les œufs, ceux qui disent ah, j'aime pas les œufs. Putain, que les fasses au plat, à la coque ou en omelette ou je sais pas quoi. Il y a toujours moyen en fait. Même tu fais un gâteau. Vas-y, fais un gâteau avec tes œufs. Qu'est-ce que t'en as à foutre? Et surtout qu'aujourd'hui, tu as beaucoup de vegans quand même qui sortent que du coup, non, ils peuvent pas manger de viande, etc. Parce que ça vient d'un être vivant. Et alors, ce terme, je le déteste. Genre, ça vient d'un être vivant. Tu m'excuseras, mais tu manges des plantes et des graines à longueur de temps.
C'est prouvé du coup par le mode de fonctionnement de vie des plantes que ce sont des êtres vivants également. Ah bah oui. Et à partir de ce moment-là, du coup, si tu ne veux pas manger d'êtres vivants, tu manges. Bah tu manges pas. Bah en fait, après moi, ceux qui disent ça, je leur dis bah non, mon steak, il est déjà mort depuis longtemps. Il est pas. Tu sais, tu prends le steak, tu fais coucou. Tu sais, tu tapes un peu coucou. Non, je te jure, le steak il répond pas. J'ai jamais entendu faire un. Je l'ai jamais vu bouger moi non plus. Non, vraiment, c'est. Libère-moi, rends-moi ma liberté. Ah. En tout cas, qu'on le veuille ou pas, nique les vegans. Non, je rigole. Moi, j'ai un pote, j'ai un pote qui est vegan un petit peu pour des raisons de santé, par exemple. Il a vraiment des gros soucis. Alors, c'est un mec, il est plus jeune que moi, il a genre 35 ans, tu vois. Il fait un peu une sorte d'arthrose, un petit peu chronique et tout. Et la viande, ça, apparemment, ça rend les choses plus compliquées, quoi. Enfin, tout ce qui est animal, ça rend les choses plus compliquées. Ouais, écoute, c'est ce qu'il m'a dit. Après est-ce qu'il m'a bafouillé ou pas, je sais non, pas. Non, après, c'est probable. Hein. Et voilà, et le mec, juste pour dépenser les points, qui m'éteint. Qu'est-ce qu'il m'a lâché? TTS? Mais faut taper un truc normalement. Ah, il va taper une connerie. Ah non, mais du coup, moi ça y est, hein, j'ai dépensé des points. Ah d'accord. Normalement, faut écrire un truc. Bon bref. J'ai 28 cas moi, au bout d'un moment. Dépense des cas. Ah oui, donc oui, la culture woke, moi perso, j'en peux plus. Je vous le dis, c'est de la merde. Et en plus, ça. Je vous le dis, hein, c'est de la merde. Et ça ruine tout et tout. Partout ça passe, c'est une catastrophe en fait. Alors, je viens de regarder ce que ça signifie exactement, parce que culture woke, en soi, j'entends tout le temps. Woke, c'est l'éveil. C'est-à-dire que c'est des gens qui pensent être éveillés comparé au reste de la population. Ils savent un truc. Ils ont un secret que tu ne sais pas. Sauf que du coup, c'est là où ça me fait rire, c'est que tu dis être une communauté éveillée, du coup. Mm-hmm. Donc, t'es le Christ cosmique. Manipulation collective. Voilà. Sauf que du coup, quand t'as des débats avec ce genre de personnes, mais peu importe le truc, hein, soit les vegans, que ce soit les alpha P++, que ce soit, peu importe le type de personne avec qui tu vas débattre, en fait, là où tu vas apporter plein d'arguments contre, en tout cas sur les personnes qui vont faire le plus de bruit, donc les nazis de la culture woke. Les nazis. tu vas donner plein d'arguments contre leur truc. Et eux, genre derrière, alors, ils vont pouvoir argumenter un petit temps, genre 5 minutes. Et puis après, ils vont rentrer dans une hystérie. Ouais. Ils auront plus rien à dire. Et du coup, leur seul moyen de se défendre, ça va être de rentrer dans une hystérie folle où juste ils sont capables de prendre un couteau et de te planter pour aucune raison alors qu'ils voulaient il y a 2 secondes pour manger un bœuf qui du coup était destiné à l'abattoir. Non mais t'inquiète pas, le mec qui te met un coup de couteau, normalement il est tellement mou, il se casse le poignet avec la vitesse de l'air. Mais moi c'est les gens, mais je te jure, les fois, tu trouves quelques vidéos où les mecs ils se vénèrent face à des machins aux cheveux bleus. Une tarte dans la tête, il y a plus personne, l'outil. Un paquet de chips, c'est plus rien dedans. En fait, ça, c'est que à la base, t'as des. Alors, tout ce qui est de la culture woke aujourd'hui et qui fait énormément de bruit, en soi, ça a toujours existé. Des gens qui mangent pas de viande, ça a toujours existé. Bien sûr. Des hommes qui aiment les hommes, ça a toujours existé. Bien sûr. Des femmes qui aiment les femmes, etc. Ça a toujours existé. Je vais me te dire, dans la Grèce antique, la femme était considérée comme un objet reproducteur. Et le truc ultime, c'était d'avoir de baiser des jeunes garçons. Quand tu regardes dans l'ère viking, les nordiques couchent entre hommes et les femmes couchent entre femmes. Hein, Oh putain, je savais pas ça. Si pour le coup, gays et lesbiennes, ça existait également à cette époque-là. Et ça choquait personne en soi. Genre, le Jarl arrivait et voulait baiser avec un mec, il le faisait, personne n'était là outré. Là, qu'est-ce qui se passe, tu vois? Non, genre, écoute, fais-toi plaisir, mon con, fais-lui le cul et tu seras content, tu vois. Hé hey Sven, tu veux un tank cool? Ah, vous êtes combien? On est 11. Allez, hall de gare, Imhotep. Ah non, pas Imhotep du coup. Mais tu vois, enfin, en soi, tout ça, ça a toujours existé, sauf que à un moment donné, bon bah, les chrétiens, du coup, ont autorisé ça parce que la religion.
Enfin, bref. Quand ça a été du coup, autorisé, déjà ça a été autorisé parce que ça a fait énormément de bruit, tout le monde était là en mode « Eh non, mais si j'ai envie de me marier avec mon homme, je me marie avec mon homme. » Bah, écoute, sois content, fais-le maintenant. Donc ça a fait tout un débat et puis finalement ils ont eu le droit de le faire. Pour qu'au final, du coup, ça suffise pas, et t'as les extrémistes qui sont là aujourd'hui, clairement, les extrémistes en sont arrivés au point que être gay ou lesbienne, c'est normal. Par contre, être hétéro, ce n'est pas normal. Et c'est là où, du coup, à un moment donné, tu te dis, la balance est inversée. Et blanc. Et ça commence à pas être normal. Et en plus que la balance s'inverse et que c'est pas normal, t'as d'autres genres, du coup, qui naissent. Donc, t'as ceux qui sont... Et ça, pour le coup, je l'ai appris il y a pas longtemps. Ça existe officiellement maintenant, ce genre, je sais plus c'est quoi le nom. Mais c'est les gens qui, du coup, sortent avec des personnes fictives. Donc avec un personnage de manga, un personnage de film, ou n'importe quoi. Mais c'est officiel. C'est-à-dire que, genre, par exemple, le mec, tu vois, qui sort avec Nami de One Piece, jamais il sortira avec quelqu'un d'autre dans la vraie vie, parce qu'il va considérer ça comme tromper Nami. Ils sont tarés, en fait. En fait, ces gens, ils sont tarés. Comment ça s'appelle ? T'as un japonais qui voulait absolument, ou une française, je sais plus, qui voulait absolument se marier avec l'IA Hatsune Miku. Oui. C'est du hentai ? Peut-être je connais, c'est du hentai, sinon je connais pas. Non. Attends. En gros, alors, c'est pour dire, mais bon, tu connais à quel point les japonais, ils sont un peu. Un peu tout et n'importe quoi. Ah oui, Hatsune Miku. Ah si, mais oui. C'est l'espèce de hologramme avec les cheveux bleus, là. Voilà, tout à fait. Ouais, c'est un délire. Mais c'est une chanteuse, c'est une pop star virtuelle. C'est une pop star full virtuelle. Elle fait des concerts en hologramme, c'est pas ça ? Non, c'est peut-être pas ça. Si, c'est complètement ça. Ah ouais, c'est trop ça, mais c'est un putain de fucking délire. Mais what the fuck ? Ouais, mais laisse tomber, tu vois les images d'où tu dis c'est un délire, les mecs et tout. Waouh, c'est un trip. Et tu vois, non, mais c'est ça, c'est qu'à un moment donné, et puis t'as ceux-là, t'as ceux du coup qui se prennent pour des renards, n'importe quel animal, jusqu'à des animaux, enfin des créatures mythologiques, du coup, t'en as qui se prennent pour des dragons, etc. T'as également ceux qui se prennent pour des. Mais ça, clairement, pour des plaques de couleurs. Alors, j'y croyais pas à la base, j'étais en mode, non, là, les gars, vous abusez. Et ben non, c'est bien la réalité. Et le mec se dit que, ben non, je suis une flaque de couleur rouge. Ben non, tu es un homme ou une femme, ou peu importe ce que tu veux, mais tu n'es pas une flaque de couleur. Il y a un japonais qui s'est toujours identifié à un chien. Tu me crois pas, mec. Il a payé je sais plus combien de milliers d'euros pour ressembler à un clip. Il a mis. Ah, oui, tu peux aller sur le stream. Mais non, c'est tout récent. Tu peux aller sur le stream. Le mec, il a dépensé 10K pour se faire un cosplay de coller. C'est un délire. C'est ultra réaliste. C'est flippant. Et le mec, il est dans son putain de costume et il se fait traiter comme un clébard, quoi. Et ouais. Ça fait ultra flipper, en fait. Il y a aussi les nouvelles. C'est pour un cosplay. Non. En fait, il s'identifie à un chien de con. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que là, c'est un cosplay qu'il utilise. C'est pas lui-même. Il a pas été transformé physiquement. Ah bah non, mais tu peux pas transformer physiquement en chien comme mais ça. Justement, c'est parce que il y a vraiment un homme. Alors j'avais vu ça. Maintenant, je sais pas jusqu'où il en avait été dans sa chirurgie, mais il était parti pour se transformer physiquement. En je ne sais plus quel animal, et du coup, bah il en est mort à cause de la chirurgie qu'il avait fait. Ah, ouais, trop de. D'accord. Trop incroyable. Ça me donne tellement envie d'être ces gens-là, quoi. Je te jure, je suis jaloux. Ils ont trouvé le bonheur. Ils sont morts dans la passion de ce qu'ils faisaient, tu vois. Et je trouve ça incroyable. Non mais en vrai moi quand je vois les gens là qui putain ils prétendent être je sais pas quoi, il faut trouver les pronoms de machin. Non mais allez tous vous faire enculer en fait. J'ai pas le temps. Sérieux, j'ai autre chose à foutre. Madame, monsieur, voilà, c'est tout, niquez-vous quoi. Non mais c'est un truc de dingue. Sérieux, c'est un truc de dingue. Moi je te jure, je comprends plus en fait. Je comprends plus. Et le pire c'est qu'on est dans la surenchère. Parce que t'acceptes ça, on accepte ça, on accepte. Et ça part en couille. Et je vais même te dire, maintenant, il y a les minor attracted person. C'est ce que c'est ça? Minor attracted person, c'est les gens attirés par des mineurs. Et pas ceux qui vont dans les mines.
Oui. Ça s'appelle des pédophiles, ça. C'est ça. Et bah maintenant, il faut plus les appeler pédophiles parce que c'est discriminant. Et Mais quoi? Répète-moi ta connerie là. Ils ont même leur drapeau un peu en comme LGBT machin. Et ils ont et il faut les appeler. C'est comme les nains qu'il faut dire les gens de petite taille ou je sais pas quoi tous les machins là pour blesser personne. Ils ont dit non, nous il faut qu'on nous appelle gens attirés par des mineurs. Personne attirée par des mineurs. C'est comme ça. C'est comme ça, et on puis... a accepté ça, là? Alors, on a accepté en France, tu me feras jamais appeler un putain de pédo, tu me feras jamais l'appeler par autre chose que pédo, tu vois? Parce que... Oui, parce non, que... mais dans le... Parce que, pour nous, je suis d'accord, je me doute bien, mais dans le système français, ça a été accepté, ce truc, ou... Non, mais c'est pas officiel, y a rien d'officiel, mec, mais maintenant, l'autre, il dit mes pronoms, c'est madame, machin, je sais pas, enfin, c'est une connerie, là, et y a des pays où tu peux te prendre un procès au cul et perdre, hein, parce que t'as pas respecté les trucs, tu regardes l'Australie, le Canada, mon pote, le Canada, ils marchent sur la tête. Ils sont partis en couille. Mais en couille, ils sont partis dans l'espace, les mecs. Ils sont en orbite, ça fait des mois. C'est devenu n'importe quoi, mec. N'importe quoi. C'est hallucinant de folie. De folie. De toute façon, le Canada, c'est en train... D'ailleurs, désolé, hein, mais le Canada, c'est en train de partir en couille. L'Australie, c'est en train de partir en couille. Les États-Unis, c'est en train de partir en couille. Mais pour l'instant, les champions du monde, je pense que c'est les Canadiens avec les Américains number two, quoi, sur le podium. Mais c'est un truc de dingo, ça. Les Canadiens, c'est un truc de ouf. Il y a de ces trucs. Ils font même des conférences. Oui, carrément. Il y a beaucoup de conférences télé. Ils payent des conférenciers. Genre des Ben Shapiro, des Jordan Peterson. Et il y a un mec comme Jordan Peterson. Je sais pas si vous connaissez. C'est un psychiatre, psychologue, psychiatre. Hein? C'est un mec très très influent au Canada, hein. Il est très très influent, il est considéré comme dissident parce qu'il aimait, il parle en fait de, lui il a des hypothèses, en fait si tu veux il dit des trucs logiques, et il explique qu'il y a, qu'en fait tout ce qui est les trans genre machin, de toute façon c'est une mode, ça c'est une mode, de toute façon moi ça c'est sûr, genre, je suis sûr que c'est une mode, et il dit que c'est de la dysphorie de genre, c'est à dire que t'es confus au niveau de ton genre, confus, tu sais pas, t'as une espèce de moment de confusion, tu sais plus trop où tourner, et le truc c'est que ceux qui sont confus, ils peuvent être poussés à prendre des décisions souvent appuyées par des médecins et tout pour se faire opérer, parce que ça serait dommage de pas les opérer, ça fait des milliers et des milliers de pognon, ça serait dommage, surtout les cliniques, les cliniques qui spécialisent. Moi j'ai en plus, tu te dis que genre les gosses sont autorisés à se faire opérer à partir de l'âge de 6 ans. Alors moi je vais dire, j'ai une copine en France qui avait une fille, et je l'ai vue il y a un an exactement, et je lui dis c'était un peu bizarre parce que c'était un peu fille garçon cheveux longs, c'était un petit peu entre les deux, je sais pas trop et tout, et puis je lui dis rappelle-moi le nom de ta fille ou ton fils, je sais même plus, je suis désolé. Elle m'a dit c'est l'enfant. Elle m'a dit, je dis c'est une fille ou un garçon déjà. Elle m'a dit c'est l'enfant. Et ça m'a rappelé une séquence du film Problemos avec Eric Judor, où l'autre, il y a Blanche Gardin qui dit l'enfant. Il dit oui, mais son prénom. Il y a pas de, on n'a pas voulu connaître l'étiquette. Il dit toi c'est quoi ton prénom? Puis lui dit je m'appelle Pomme de Terre. et du coup cette amie là, donc son enfant qui est au départ une fille, va devenir un garçon. Ah tu dis bon. D'accord, ça s'appelait Arthur. Bon, d'accord. Sauf que Arthur va prendre des bloqueurs de puberté. Des pilules qui vont bloquer la puberté, donc à tout jamais. C'est-à-dire que ça va, tu vas rester dans ce stade. Elle n'aura pas de nibar et tout. Mais pilules et tout, et puis hormones complètement flinguées. Et moi, ma fille, elle vient me dire « Papa, je crois que je suis un garçon ». Je dirais franchement, ça se voit. Non, ma fille... Non, je déconne. Ma fille, si elle vient, elle me dit « Papa, je veux devenir un petit garçon. » Moi, c'est déjà arrivé que ma fille, elle vient me dire « Papa, moi, je suis un garçon. »
Et moi, je dis, ouais, c'est ça. Et puis, moi, je suis un balachiote, tu vois. Qu'est-ce que tu veux, cet arif-là? Puis, elle te dit, bon, bah oui, t'es un balachiote. Et en fait, les enfants, ils savent pas ce qu'ils ont, 3 ans, 6 ans, 7 ans. En fait, ils savent reconnaître un garçon et une fille, mais ils savent pas ce que ça symbolise. Ils ne sont pas sexués, tu vois. Ils sont pas, ils sont, ils sont, ils sont pas dans la vie sexuelle, donc ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Et même à 18 ans, t'en as eu des potes peut-être qui se tâtaient à 18 ans, enfin bah pas techniquement, hein. Mais je veux dire qui savaient pas trop, peut-être qui se cherchaient encore. Et même 18 ans, c'est chaud, hein, tu sais pas trop. Hein. Et venir nous vendre la salade comme quoi, à 6 ans, ah ouais, ma fille, il y en a même qui font le forcing pour les gosses pour changer de sexe et tout, parce que c'est tendance, tu vois. Putain, mais c'est tendance, quoi. C'est comme porter des pattes d'eph, mais dans les années 70, poussé à l'extrême. Et moi, ça me rend dingue. Moi, ça me rend dingue. Et moi, j'ai peur. Parce qu'il y a de plus en plus d'endroits où on explique à l'école que, bah voilà, faut pas avoir peur de se prendre une bite dans le cul parce que ça peut être sympa, tu vois. Non, mais alors, ça Il y a aussi. des bouquins, mec, il y a des bouquins pour ça. Il y a des bouquins qui expliquent aux enfants comment on suce. Bah oui, Je bah suis oui. désolé, hein. Je suis cru, je fais exprès d'être cru, tu vois. Je fais exprès de dire des trucs un petit peu crado. Mais il y a des bouquins. Et ça aux États-Unis, au Canada, c'est la fête. Et ça a commencé au début. Alors, je me souviens, ça a commencé au début, parce qu'il y avait un dessin animé qui montrait les petits poissons qui étaient. C'était deux garçons qui étaient amoureux. Alors, moi, ça me dérange pas. Ça me dérange pas dans le sens où bah, quand t'as 5 ans, ils sont amoureux, c'est bien, mais fille garçon, le chat, le mur, mais putain. Moi, quand j'avais 5 ans, je me souviens, j'étais amoureux d'un personnage de dessin animé. Je te jure, c'est vrai. Oui. J'étais amoureux de la princesse dans Little Nemo. Non, mais en même temps, t'as 5 ans. C'est ça, c'est un autre délire. Et t'as 5 ans, il y a tout qui bouge, tu vois. Ma maman, je vais me marier avec ma maman, tu vois. Et puis ma sœur, c'est la plus. Voilà, tu vois, c'est ridicule. Tu Et puis m'assures au après, final, c'est c'est pas un ch'ti, bien. quoi. Mais. Et après, quand tu grandis, bah justement, tu fais ton Oedipe, tu comprends ces choses-là, c'est des procédés. Mais maintenant, on est dans un monde où on saute tellement d'étapes que ça devient malsain et on nous explique. On nous explique quand on est taré, parce que moi je veux le dire, hein, quand on est taré, on nous dit c'est juste que tu n'es pas compris. Et il faut qu'on t'accepte comme tu es. Alors moi, quand c'est minor attracted personne, une personne attirée par les mineurs. Moi j'ai dit ouais t'as quand même intérêt de courir vite hein, parce que si je te vois dans ma fenêtre ça va peut-être pas bien se passer. Bon après en Alsace théoriquement ça va quoi. J'habite dans un village, je te jure c'est vrai, j'habite dans un village où à 22 h, il y a les cloches qui sonnent comme à la sortie de la messe et dong dong, ça sonne en continu, j'habite dans un village de 1000 habitants. Alors j'ai regardé l'histoire du village, pourquoi les cloches sonnent à 22 h en continu? C'est parce que apparemment ça fait 500 ans que ça existe. Et c'était à l'époque pour dire aux. Attention, disclaimer, les propos qui vont suivre sont peut-être choquants pour des gens qui portent des kippas. C'était pour dire aux marchands itinérants et aux juifs de quitter la ville. T'as 10 minutes, après on ne répond plus de rien. Tu vois le truc? Mais ça, quand même, les mecs. Hein? Ils ont un petit peu. Voilà. Mais pour de vrai. Hein. Après, pour de vrai, j'ai fait blague à part. Pour de vrai, il y a eu. C'était vraiment pour dire hein, aux marchands itinérants et aux juifs de quitter la ville. C'était comme ça. Voilà. Et tout le monde s'en accommodait, puisque bon. Bon, maintenant, je sais pas s'il y a encore des juifs dans le village, du coup. Ou si à 22 h, ils Alors quittent encore la ville. peut-être bah, ça tombe, hein. En Alsace, ils ont peut-être quitté la ville. Non, mais en vrai, voilà. Mais bon, pour en venir à ce qu'on disait, ouais, moi, je pourrais pas accepter, enfin, tous ces délires-là. Tu sais, maintenant qu'ils posent la question à la mode, c'est qu'est-ce qu'une femme? Et personne n'ose répondre, en fait. Personne n'ose répondre. Et ils ont. Il y a des émissions, il y a Piers Morgan qui est un journaliste anglais, qui reçoit souvent des gens qui représentent la communauté LGBT, qui l'oppose à des gens qui n'en sont pas, et même avec peut-être des fois des homosexuels qui détruisent les LGBT à la con, hein.
Et en fait, quand ils posent des questions, les mecs, ils se détruisent tout seuls. Tout seuls. Tellement leur logique ne tient pas. Elle ne tient pas du tout. Le mec, Pierce Morgan, il dit, bah d'accord, bah tu sais quoi, bah moi, bah là, je suis une lesbienne noire. Et l'autre, il fait, non, mais ça marche pas comme ça. Mais comment ça, ça marche pas comme ça? Il dit, il y en a, ils se lèvent, ils disent, vas-y, je suis un chien, vas-y, je suis un poulpe, vas-y, je suis une soucoupe volante. Enfin, ils disent n'importe quoi. Et il dit, pourquoi moi, je peux pas être une lesbienne noire, là? Parce que vous êtes pas noire. Et il dit, bah l'autre, c'est pas un chien. L'autre, c'est pas une soucoupe volante, l'autre, c'est pas un machin. Il dit, mais alors, eux, ça va, et moi, ça va pas. Ils disent, ouais, ils se foutent de sa gueule. Mais lui, il dit, mais c'est ridicule, en fait, c'est ridicule. Et il n'y a rien qui tient, jamais, en fait. Il n'y a jamais rien qui tient. Et et moi, je vois ça, ma femme, des fois, elle me dit, mais laisse tomber, laisse courir. Je dis, laisse courir, oui, mais le problème, c'est que moi, j'ai une gamine qui a 3 ans et demi, et on me dit, laisse courir, alors que... Elle va grandir là-dedans, et qu'il va falloir se... Putain de se battre, si ça continue, il va falloir se battre comme un sac à merde pour éviter que ça devienne cyberpunk, en fait. Ouais, non, mais... Et moi, tu sais, les gens disent, ouais, la Hongrie, c'est un pays fasciste, nanana. Moi, la Hongrie, je connais très, 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 très bien. Mais très, très bien. Un alcool, donc à partir de ce moment-là, moi, ça me vend. Putain, j'ai acheté une bouteille de Palinka la semaine dernière, une vraie de vraie. Hein. On l'a pas encore reçu. Non, mais c'est ça. Moi, je l'ai dans mon frigo. Et bref. De quoi? Ça se conserve au frais, la palinka? Bah pour moi, ça se met au congèle, en fait. Quand t'as pas de congèle, tu fais comment? Bah tu te la fous dans le cul, j'en sais. Non mais de toute façon, derrière celle que j'ai, faut que je la jette, j'ai l'impression qu'elle est à moitié tournée en vinaigre, frère. Bah tu rigoles, ça fait 50 degrés, ça tourne pas vinaigre, mec. Tu peux avoir de la... Elle a vraiment plus du tout l'odeur d'origine, hein. Bah tu parles de la palinka techniquement, tu parles avec palinka des années 50, ça tient. Normalement ça tient. De toute façon je m'en fous, c'est Lolo qui la boit quand il est beurré. Bah tu cuisines avec, tu fais la choucroute. Donc qu'est-ce que je disais, moi? Oh je sais même plus ce que je disais, putain. Ouais non mais tu vois c'est ça. Fille, laissez tomber, tout ça. Ah ouais tu vois, dès le début tu parles d'alcool aussi si tu cherches la merde. Oui, je parlais de la Hongrie. Je disais, moi, là, je connais très bien la Hongrie. Et le dirigeant de la Hongrie, c'est un mec qui s'aligne pas. Il s'aligne pas comme ça, Viktor Orban. En fait, c'est un mec qu'on n'aime pas parce qu'il dit pas amen à toute l'Europe et tout. Et c'est un mec qui a dit un jour, qui a dit, bah, la Hongrie, c'est un pays blanc et chrétien. Et les gens ont dit, comment hostile, espèce de connard fasciste, machin. Mais le mec, il a dit, bah, non. Il a dit, la Hongrie, c'est un pays. Quasiment tous blancs, et c'est un pays, on est quasiment tous chrétiens en fait. Donc c'est un pays blanc et chrétien. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Non mais c'est vrai. Et après, il y a très peu d'immigration. Les gens, ils disent, ouais, la Hongrie, c'est un pays où il y a très très peu d'immigration parce que c'est les fachos. Non, c'est pas ça l'histoire. C'est parce que, alors, il y a l'immigration qu'on a en règle générale, c'est des gens qui viennent faire du business, ou alors, j'en connais un peu, hein, ou alors c'est des étudiants. Parce que le niveau d'études en Hongrie est vraiment, vraiment bien, quoi. Dire, il y a des facs en Hongrie qui sont pas mal. Sauf que, en Hongrie, il y a très peu d'immigration parce que le niveau de vie, il est moisi. Donc, comme le niveau de vie, il est un peu moisi, eh ben, les gens, ils préfèrent aller en France, en Allemagne, en Angleterre. C'est pas parce que la Hongrie refuse les gens systématiquement, c'est pas vrai. Moi, j'ai vécu en Hongrie pendant 10 mois, et j'ai vu toutes ces choses, en fait. J'ai vu ces choses. J'ai vu des gens qui n'avaient pas l'eau courante et pas l'électricité. Je les ai vus, ces gens-là. Qui habitent dans des patelins. Ils sont droits, hein. Ils sont blancs. Ils n'ont pas l'eau. Ils n'ont pas l'électricité. Ils sont obligés d'aller dans la rue, à la fontaine. Il y a une fontaine, une pompe. Électricité, bah, il n'y en a pas. Dès que le soleil se couche, ils vont se coucher. Il y a des bougies, des machins. C'est les médiévales. Et des trucs de fou. Mais bon. L'essentiel de l'Hongrie n'est pas comme ça. Les gens, en règle générale, ils ont quand même l'eau et l'électricité. Mais il faut arrêter de dire que les gens qui s'opposent à l'immigration, c'est des fascistes. Tous ces trucs-là. Et en fait, tous ces courants-là, il y a un moment donné, il va falloir un petit peu ouvrir les yeux. Il y a quand même des... Parce que donc l'Hongrie, oui, donc tout ce qui est culture woke, laisse tomber 0 sur 20. Ils ne veulent pas entendre parler, voilà. Parce que eux, en fait, ils regardent ce qui se passe aux États-Unis, ils regardent ce qui se passe au Canada, et ils se rendent compte que c'est en train de gangréner la société, parce que t'as
même pas 1% de la population, même pas 1%, qui commence à hurler, à péter les plombs contre le reste des gens qui en ont rien à foutre. Et qui veulent convertir de force des gens qui en ont rien à foutre. Ils font une croisade, ils font de la conversion, c'est les croisades, c'est on va prendre Jérusalem, quoi. Et c'est ça, hein. Et quand on a le ministre de l'éducation, Pape Ndiaye, qui a essayé de putain, d'ailleurs, il s'est fait jeter, hein, parce qu'au bout d'un moment, ça se voyait trop. Il essayait trop de focaliser les programmes sur la sexualité des enfants, quoi. C'était ultra chelou. Il y a un moment, des gens, ils ont fait, oh là, des gens assez conservatifs, comme par exemple, moi, il y a une journaliste que j'aime beaucoup, de par sa brutalité de logique, en fait, c'est Charlotte Dornelas. Charlotte Dornelas, qui, bon, elle était journaliste à Valeurs Actuelles. Elle est des fois sur CNews, donc, en disant ça, en fait, tu te condamnes à... Les gens, ils vont te dire, t'es un putain de facho. Bon, bref, je m'en bats les couilles, ils disent ce que vous voulez. Moi, je m'en bats la race. Mais vraiment, je m'en tabasse. J'aime ce qu'elle dit, parce que c'est Nala qui dit, bah, on est dans un monde où... ça a été comme ça depuis 2000 ans, ça marchait bien. Je vois pas pourquoi on va commencer à changer tout en disant des messieurs, des madames, des machins, des bordels. Et je suis d'accord. Et je suis d'accord. Ce que je veux dire, c'est que tu peux prier le Dieu que tu veux. Tant que c'est légal, tu peux mettre ce que tu veux dans ta bouche. Vraiment. Tu peux mettre ta bite où tu veux tant que c'est légal. Il n'y a pas de problème. Mais c'est ton problème. C'est chez toi. C'est chez toi. J'ai pas besoin de le savoir. T'es pas obligé de penser qu'on veut tous savoir que t'étais monsieur, que t'es madame et qu'il faut qu'on t'appelle absolument madame. Non, c'est bon, quoi. Moi, montrer chacun son délire, tu vas pas montrer dans tes délires de force, tu vois. Genre, moi, je suis quelqu'un qui aime bien la muscu. Je vais pas forcer les gens à aller à la salle. Je veux pas dire, tiens, maintenant, tu vas te muscler, toi, espèce de sac à merde, t'as vu, tu ressembles à rien. Non, 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 ça marche pas comme ça. Chacun son truc. Comme disait le sketch d'un humoriste controversé, moi, ma religion, c'est le jazz. Mais je ne force personne à écouter du jazz. Hein. C'est vrai. Chacun son truc. Chacun son credo. Et voilà. Et en fait, ma femme, elle me disait, mais ça vaut... Et c'est frustrant parce qu'elle me dit, ça vaut pas le coup. Mais laisse tomber, ça vaut pas le coup. On s'en fout, laisse-les faire. Mais c'est ça le problème. Laisse-les faire et puis après quoi? Après, t'es obligé de dire madame à monsieur, monsieur à madame, et lampe de chevet, et soupe de carottes, et tout le bordel. Et tu t'en sors plus, en fait. Une fois que t'as mis le doigt dans l'engrenage... Franchement, aussi, pour une soupe de carottes. Bah, petite soupe, petite veloutée de carottes, là, j'avoue. Mais non. Et on est vraiment sur... Donc du coup, oui, t'as rien glissant, c'est obligé, mais... Mais on est vraiment sur non, c'est compliqué. Et moi, j'en peux fucking plus, quoi. Et ce qu'ils font aux États-Unis, que ça reste là-bas. Qu'ils n'aillent pas envahir le monde avec leurs conneries. Parce que c'est des conneries. C'est des grosses conneries. Et moi, je pense que les gens, c'est... En fait, franchement, je pense que les gens, ils ont été rognés complètement par Internet. Tu vas te faire yid de Twitch avec ce discours-là. Mais je m'en bats les... Alors, je vais te dire, je m'en fous, en fait. Parce que déjà, j'ai une toute petite chaîne. Et si je me fais ban, eh ben, ça prouve exactement ce que j'ai dit. Ça prouvera exactement ce que j'ai dit. Ça veut dire qu'on ne peut rien dire. On ne peut pas ne plus être d'accord. Et du coup, le fascisme, il est de l'autre côté, en fait. Le fascisme, il est de l'autre côté. Parce que la liberté de l'opinion, dire ce qu'on veut dire... Je ne répands aucune haine. Je ne souhaite de mal à personne. Je ne souhaite de mal à personne. Je souhaite que chacun fasse sa vie comme il l'entend, sans aller chier dans le jardin du voisin. C'est ça, en fait. Et moi, je sens que on commence à venir chier dans mon jardin, et ça commence à pas me plaire. Tout ça parce que les gens disent qu'ils ont le droit de chier où ils veulent. Tu vois ce que je veux dire? À partir du moment où tu dis « j'ai le droit de chier où je veux », oui, mais pas quand c'est chez le voisin, en fait. La liberté s'arrête. Ouais. C'est rien de nouveau. C'est chaud. Mais oui, c'est rien de nouveau, évidemment que c'est un nouveau. Oh, c'est Xeno. Salut à toi, Xeno. Salut. Ça va? Bon, oui. Donc, effectivement, Divert, c'est vrai que c'est rien de nouveau. Mais le problème, c'est que maintenant, on l'autorise. Mais on l'autorise pour des choses qui sont plus extrêmes, plus graves. Et ça... Vraiment, tu es un enfoiré. De quoi?
J'allais être un enfoiré, Xeno, quand il a dit ça va, j'allais dire bah ouais, jusque là on parle de Lumi, donc ça va. On parle d'eux? T'as dit quoi de Lumi? Eh ben non, eh ben tu vois, non, justement, et c'est là que justement mon tout ce que j'ai dit en fait s'applique, c'est que Lumi en fait, il fait partie de cette catégorie de gens qui en fait finalement font leur vie en fait. Il s'étale pas à foison. Tu vois, on en rigole avec lui, machin. Lumi me dit ouais, t'inquiète pas chérie, vas-y, je te suce quand tu veux, on rigole. En vrai, on rigole, je m'en fous. Le mec, il est allé, bah merde, il m'a sucé, ça fait déjà 4 fois, c'est quand même drôle comme blague. Non, mais tu vois, c'est ce genre de truc, avec lui, on peut rigoler et tout, et il le prend pas mal, et parce que lui, il me dit, ouais, de toute façon, toi, ta femme, machin, et puis moi, je dis, oh, toi, de toute façon, et on s'en fout, en fait, on rigole. Tu vois, c'est vraiment, ça reste, si je savais qu'il y avait quoi que ce soit qui prenait mal, je m'excuserais et je ferais autre chose. J'ai un couple d'amis gays, ils détestent tous les mouvements LGBT. Alors ça, tu vois ça, et ben moi, tous les amis gays que j'ai, c'est pareil. J'ai mon ancienne collègue qui est lesbienne. Hein, alors, quand tu la vois comme ça, tu dirais pas. Elle a pas de. C'est pas le déménageur, les cheveux courts, style à l'allemande avec le mulet, tu vois. C'est une nana, elle fait 45 kilos à tout casser. J'adore cette nana, en plus, elle est extraordinaire. C'est une artiste, vraiment, j'adore. Et une fois, on en parlait, et elle me disait, j'ai horreur de la gay pride. Elle me dit, putain, quoi. Elle dit, c'est incroyable. Elle a dit, je vois pas l'intérêt de passer pour un con. Juste parce que les gens, ils vont nous détester parce qu'ils défilent à poil dans la rue. Ils vont voir les gosses avec des strings en cuir et des boules dans la bouche à montrer leur trou de balle au milieu de la rue. Ils disent, elle disait, moi, je fais partie de ça. Mais elle dit, mais non. Elle dit, c'est pas moi, ça. Elle dit, moi, je fais ma vie. Et puis voilà, je fais ma vie de couple. Je fais ma vie, quoi. Et moi, quand elle m'a dit ça, j'ai pas dit. Ah. Des bisous, bon débat. Salut à toi, hein. Bonne nuit. Ouais, bah moi je vous laisse, je vais fumer, je reviens peut-être après. Du coup. Ça marche. Ah, du coup, salut. Moi je crois que je laisse parce que le sujet il me plaît pas trop. De quoi? Il a dit qu'il te laissait parce que le sujet ne lui plaisait pas. J'ai même pas le temps de dire au revoir, il s'est déjà barré. Mais en même temps, c'est écrit le salon, c'est just chatting en fait. Ouais. Donc c'est pour débattre. Si, voilà. Et Daver qui nous dit, ils disent qu'ils s'ostracisent de la société eux-mêmes, les gays. Alors, tu vois, alors souvent j'ai un peu cette peur avec la communauté gay, LGBT ou ce que tu veux. J'ai peur que ça devienne un petit peu comme ce néo-féminisme. Alors, je m'explique avant que les gens ils arrachent les rideaux et qu'ils se torchent le cul avec. Il y a eu un combat de féministes à l'époque, auquel les féministes old school s'associent, et elles se sont dissociées des féministes d'aujourd'hui en fait. Pourquoi? Et d'ailleurs, je vous renvoie à l'analyse du film Barbie par Juste Milieu, qu'il a appelé Barbie fascisme rose ou capitalisme néo-féministe. Alors. Et lui, en fait, ce qu'il explique, c'est que le film Barbie, il montre un néo-féminisme dans lequel on veut pas l'égalité, on veut que les femmes soient supérieures à l'homme. Alors du coup, ça devient une revanche, ça ne devient pas un désir d'égalité. Et moi, j'ai peur que la communauté LGBT, elle tente un petit peu d'aller vers ces trucs-là, c'est-à-dire de plus vouloir qu'on les accepte comme ils sont et tout ça, parce que déjà, des fois, ce qu'il faut accepter les trucs, c'est complètement ridicule, voire illégal. Et en fait, ils vont vouloir renverser la balance et prendre le dessus. Et ça, c'est ça qui est dangereux, en fait. C'est d'avoir toujours un truc qui est au-dessus, quoi. C'est bel et bien du capitalisme néo-féministe. Ah bah oui, c'est du capitalisme néo-féministe. Et d'ailleurs, quand tu regardes... la vidéo de Juste Milieu, hein, que je salue d'ailleurs, notre bon ami, que j'espère viendra peut-être débattre un jour avec nous. Le capitalisme néo-féministe, en fait, il montre que, en fait, le film Barbie, qui revendique l'émancipation de la femme, il ne faut plus, machin, et tout ça, la femme mieux que l'homme, je sais pas quoi, en fait, c'est un coup de marketing énorme pour amener du pognon. En fait, c'est juste du capitalisme. Ça a rapporté plus d'un milliard
Le film a engrangé plus d'un milliard, alors que bah, pff, apparemment le scénario il est bidon, y a rien de foufou quoi. Et il met Ken, il relègue Ken au rang d'objet quoi. Et le problème c'est que reléguer Ken au rang d'objet et mettre la femme en avant, et bah c'est faire exactement ce qu'on a reproché aux hommes dans le passé. C'est pas un combat d'égalité, c'est un combat de ça, c'est on essaie de prendre le dessus quoi. Et ça c'est un problème. Et ça peut me déranger. Surtout que bah maintenant on va absolument on promeut l'égalité et tout ça et que de plus en plus et bah, qu'on veuille ou pas bah, les hommes ils s'y font à tout ça et les hommes l'égalité s'installe. Moi je vois chez moi il y a pas de tâches masculines de tâches féminines. Alors oui et non. Putain, le truc est... Alors oui et non. Alors c'est vrai que ma femme fait plus la lessive que moi. C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est moi qui cuisine plus. C'est moi qui fais la vaisselle quasiment tout le temps. Je pose pas de questions. Une fois qu'on a fini de manger, je fais la vaisselle. Elle va donner le bain à la petite, je fais la vaisselle. Bah, ce soir, j'ai mis la petite au lit, je vais raconter l'histoire, tout ça. C'est très égal en fait. Aujourd'hui, j'ai fait du repassage. Aujourd'hui, j'ai fait tout le repassage, j'ai pris le panier. Ma femme était au boulot. Et bah la petite était en train de faire la sieste, je l'ai mis à la sieste, et bah moi j'ai fait leur passage. Et ça ne me dérange pas. Et c'est ça en fait. L'harmonie à la maison, elle est là. Elle est là. Et c'est de tout le monde fasse ce qui lui correspond, ce qui arrange tout le monde, quoi. C'est vraiment un. Comment dire? C'est vraiment un. Des. Comment dire? Un espèce de consensus, ça va? Un compromis. Oui, c'est les compromis, c'est ça. C'est les compromis, tout le monde doit faire un effort, tout le monde doit mettre la main à la pâte, tout le monde doit faire un petit peu. Voilà. Alors, de là à dire que c'est les discours qui peuvent me ban de Twitch, je pense pas. Je pense pas parce que je ne vois pas de haine dans ce que je dis. À partir du moment où je ne promeux pas la haine, je ne vois pas en quoi c'est un problème. Alors. Est-ce qu'on se pèterait pas un petit Isaac là? Ça sent l'heure de jouer à Isaac là, c'est obligé. On va se faire un petit Isaac. En même temps. Hein. Évidemment. Game capture, on voit clair. Ok. Donc voilà quoi. Donc oui, moi je pense que effectivement. Ah mais qu'est-ce que c'est ça? J'avais fait ça, des trucs. Non? D'accord, j'ai pas fini avec Isaac. Ouais, donc moi je ne bougerai pas de ce que je dis. Hein. Je suis persuadé que de toute façon, quoi qu'on veuille, quoi qu'on fasse. Quoi qu'on veuille, quoi qu'on fasse. On est en train d'avancer vers un système. Flingué ou on n'osera plus rien dire et voilà. Est-ce que ça fait partie peut-être de ce qu'ils veulent, qu'on ferme notre gueule, qu'on arrête de manifester sous prétexte d'être taxé de connard, nazi, dégueulasse. Oh, le wafer, c'est bien ça. Je le prendrais bien ça. Enfin. Ah voilà quoi. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez des choses à dire. Hein. Je suis à vous quoi. Pour info, moi je n'ai pas vu le film Barbie. Hein. Je n'ai pas vu, mais c'est que des ressentis de gens qui l'ont vu hein, que je peux vous donner. Hop et. Mec, ton jeu ne marche pas. Ah oui, putain, mais sans déconner, je suis vraiment un abruti fini en fait. Putain, mais quelle connerie. Bien joué, hein. Je suis un con, je suis un con, un con. Mais pourquoi j'ai pas de...
Putain, mais c'est pas vrai ça. Ah, le là. Merci, hein. C'est gentil, hein. C'est un écran à noir. Non, mais bien joué. Merci. De toute façon, il s'est pas passé grand chose. Voilà, voilà quoi. Maintenant, on va voir si je me fais ban de Twitch. Je pense pas, hein. Je pense que je me ferai ban de Twitch, hein. J'y crois pas du tout. Ça fait quoi ça? Roll again. And the roll again. Again. Voilà! Ah, ça refait les. Oh! Oh, c'est peut-être bien ça, si ça me donne une deuxième clé. Oh! Salle d'item, tu refais un truc, c'est bien. Hein. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Après, ça aurait été bien que le boss en fait. Je pense. On s'en fout de ça. Enfin, on prend ça. Oh, c'est beau. C'est beau, mais c'est nul. Ah, bien! Voilà quoi, c'était le petit débat anxiogène du jour, en vrai. Est-ce que ça valait le coup? Je ne sais pas. Putain, mais ça va, là? Elle est où, la salle secrète de merde? La salle de merde. T'es là? Oh, merde. Sûrement pas, parce qu'il y a personne ici pour chialer, mais si t'avais une grosse audience, le staff de Twitch, c'est majoritairement des travestis. Non, t'es sérieux, là? Bah, tu dis n'importe quoi, c'est pas possible, ce que tu me dis, là. Non, mais sérieux. C'est vrai? C'est des transgenres? Des trans machin, c'est pas possible. Bah après voilà. Bon, c'est vrai que le joueur du grenier s'est fait bannir 15 jours parce qu'il a dit le mot juif. Ce qui en soi est un peu abusé. Mais, bon, admettons. Oh! Ah, tout jump! On peut aller chercher le truc. Attends, on va chercher le truc. On va chercher Wayfire. On peut pas? Allez! Allez! Allez, s'il te plaît! Je peux pas y aller! Je peux pas y aller. Bah tant pis. Oh! Je l'ai eu! Oh, je l'ai eu! Oh, bêtard! Mec, je n'y laisse pas, c'est majoritairement des trans avec des cheveux de couleur. Ah, c'est Amazon, quoi! C'est de la merde. Après voilà, hein, chacun. Je vous juge pas tout chose enfant, c'est tout. Mais alors moi ça me. Ils aiment quoi les gens-là en fait? Franchement. Hein, ils aiment quoi? C'est quoi leur. Enfin sexuellement, ils veulent quoi? Je me demande, je me pose la question. Ils aiment quoi? Tu sais ce que je veux dire? Dans quoi ils veulent mettre leur dick? C'est facile à voir, Twitch. Tiens, une liste de leurs membres de staff qui stream. Tu peux aller voir leur tronche. Ah merde. Oh, t'es sérieux là? Non mais après, alors. Après ça me dérange pas. Merde, putain, nique ta mère. Ça n'empêche pas que peut-être qu'ils sont d'accord avec ce que je dis. Hein. Peut-être, hein. Parce que les cheveux bleus, tout ça, ça veut pas dire que. Voilà. Hein. Moi je me souviens d'un speedrunner. Un speedrunner, un des meilleurs du monde, qui s'appelait Cosmo Wright. C'est des trans et des VTubers. C'est quoi les VTubers? Des YouTubers, tu veux dire? Paralysis. The Stores. Des VTubers, je sais pas ce que c'est. Je te jure. Je suis désolé. Hein. The Stars, bah, go the Stars. Hop là. Oh, c'est bien ça. HP, Damage Up, Speed Down. C'est pas grave. Je suis chaud. Il banne des gens qui parlent contre le mouvement transgenre. Alors je... Non, alors. Mais c'est là la nuance. C'est que je suis pas contre le mouvement transgenre du tout. C'est pas ça que je parle. C'est pas ça que je dis. C'est pas le mouvement transgenre qui me dérange. C'est pas ça. C'est ce qui me dérange, c'est le désir de supériorité et de victimisation permanente de certains membres de la culture woke. C'est pas pareil. VTuber, c'est les gens qui mettent un perso animé. Ah, d'accord, les deux comme caméra. C'est comme une personne animée qui imite leur mouvement.
lorsque tu es trop lourd pour te montrer. Ah, j'ai. Bah, j'ai ça. Je peux faire ça, moi. J'ai. Je peux le faire. Je te jure, j'ai un truc pour faire ça. Ce serait rigolo que je mette un truc en. Ah, faut que je. Ah, c'est ça qu'il faut que je fasse. Faut que je mette un truc aux cheveux bleus ou je sais pas quoi. Qui critique les gens aux cheveux bleus. Ah, du coup, voilà. Tu sais, c'est comme les noirs qui critiquent les noirs. C'est bon. T'es immunisé. Merde. C'est autorisé, quoi. Crève, toi. Bah, techniquement, moi, je suis pas très beau, mais... je me montre quand même, tu vois. Faut pas avoir peur. Bien, petit tir-up. Hein. Ah, mais toi, t'es beau gosse, pas besoin de te cacher. Au moment où je dis que je suis pas beau, un beau gosse. C'est gentil, hein, remarque. Hein. J'ai failli pleurer. Bon, je veux pas le faire, parce que... voilà, mais... Eh ben. Ah, c'est vrai qu'il y a ça. Bon, on va déjà clear le niveau, puis on verra. Ah, nu, 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 nu. Ouais. Bah, après, je veux dire, si ma chaîne Twitch elle saute. Franchement. Franchement. Et bah c'est pas très grave. Ça me change pas beaucoup de choses à ma vie. Ça me poussera peut-être à monter mon spectacle de magie un peu plus vite. Arrêtez de me branler en train de streamer là. Comme une grosse victime de la vie. Ah tiens, on va aller au shop. On a les clés. La pellule. Pas de bombe. La pile, ça c'est bien ça. Elle est la pépelle. Nanana. Hop, let's go. Gurglings de merde. Connard. Cassez-vous. Cassez-vous. On passera à Kick. Après Kick, j'ai regardé, ils commencent à avoir un volume de trafic qui est de plus en plus intéressant. Ils sont loin de... Ils sont loin de Twitch, hein, mais ils ont un volume de trafic qui devient très sympa. De plus en plus. Et voilà. Attends, ça c'est quoi? Ah oui, ça fait ça. Oh, c'est bien ça. C'est bien, je vais peut-être prendre ça. Ouais, que dégage, je prends ça. Ouais, je prends ça, rien à foutre. Ok, pas mal, pas mal. On passera à Kick, quoi. Ouais. En plus, Kik, il rémunère tellement mieux les streamers. Et quand t'es comme moi et que tu prends... zéro. 95% de zéro, ça reste zéro. Enfin, zéro, ou presque, hein. Ah mais je suis con, j'ai le vol, je suis vraiment un connard. Je n'ai plus peur des pics. Bon, je suis curieux d'être au travail, je crisse mon quin, à plus tard. Ah oui, tu rentres chez toi là, t'as fini? Bah oui, c'est avec ton boulot. Je crisse mon quin. En fait, t'es en train de dire je fous le camp quoi. Incroyable. Il veut dire je fous le camp, il a dit je crisse mon quin. Truc de fou. Voilà. Donc, monsieur Twitch, hein, ne m'en veuillez pas. En tout cas, je maintiens que la culture woke, ils auraient pu quand même changer de nom parce que woke, pour définir ce qu'ils font, c'est un peu de la merde. Oh! Mais non, mais! Non, mais! Non, mais! Calmez-vous! Tu m'as fait peur! Mais pourquoi ça fout là? Qu'est-ce que ça fout là, ça? Non, mais je t'aime dans les fesses, mais c'est pas la question. Merci mec, putain c'est incroyable. Non mais c'était pas le but de ma marque. Je sais même plus que c'était expiré ton membership. Oh, incroyable. On va pas faire ça. J'ai déjà Prime donc c'est gratuit mais l'intention compte. Non mais c'est gentil. Ah mais moi aussi j'ai Prime, je peux peut-être me le donner. Est-ce que je peux me primer? Ah c'est gentil mec. Tu peux Chris les cams maintenant. Merde, j'ai mon chat qui a sauté. Quel enfer.
Ah! Oh merde! Putain, eux je les aime pas, hein. Clairement. Ça se voit pas? Putain, bordel. Mais non! Callis là. Eux non plus, je n'aime pas bien. C'est pas bien, mes copains. Avec Léo The Tron, putain, qui speedrunnait ce jeu. Qu'est-ce qui me manque, ce con. Léo, putain. Reviens, quoi. Isaac a besoin de toi. Yeah. J'ai tendance à vouloir prendre les boulettes, moi. Avec la salle, avec le dollar sign. Le signe du dollar. Et merde. En tout cas, pour en revenir à tout ça, on ne fera pas croire que les gens, les pères de famille, qui ont des jeunes enfants, ils peuvent pas cautionner ça. Moi, j'y crois pas une seconde. C'est pas possible. On peut pas cautionner toutes ces conneries, là. Les changements de genre, de machin, quand on est un peu clair dans sa tête, on peut pas se dire que c'est une bonne chose. C'est pas possible. Un enfant de 5 ans, 6 ans qui dit « je suis une fille » ou un garçon, je sais pas quoi, on peut pas encourager un changement de genre, de sexe, là. C'est pas possible. Moi, je dis que c'est pas possible. J'arrive pas à me dire que c'est bien, quoi. J'arrive vraiment pas à me dire que c'est bien, je vous jure. J'essaye, hein, mais c'est pas possible. Je sais pas. On peut dire que c'est mon éducation, je sais pas, je suis biaisé, je ne sais pas, mais je sais pas. Moi, tous les gens sensés que je connais, ils réagissent, ils ont pas ces réflexions bizarres, parce que c'est vraiment des réflexions bizarres. C'est pas penser à côté ou différemment, c'est juste, c'est pas normal, putain, c'est pas normal, bordel. Je comprends pas, je sais pas. Là, paf, super secrète. Eh mais sérieux, là. C'était beau, là, il y a un faucheux sur mur, là. Ah non, c'est des griffes ou je sais pas quoi. Ouais, quoi. Oula. Je t'aime pas bien, toi. Ok, let's go. Oh, c'est bien ça. Tire ça, j'ai un job, quoi. Oh, Gimpy. Bon, on l'a pas, en fait. Faut les prendre, tous ces trucs-là. Faut les prendre. Sweet Suffering. Ça absorbe des dégâts, je sais pas quoi. Ouais, c'est pas intéressant, du coup, la salle de Suffering, là. C'est pas très intéressant, mais c'est pas grave. Bon, allez, va. C'est reparti. Eh ouais. Après voilà, hein, si je me fais ban de Twitch, je me fais ban de Twitch. Hein. Franchement, ça m'a. Ma vie elle change pas. Hein. Mes projets changent pas, ma vie change pas. Ça me manquera un petit peu, mais c'est pas. C'est vraiment pas me pénaliser ma vie que de me ban de Twitch. Hein. Franchement. Si un modo. Si je me fais report, même. Parce que moi tout va être sur YouTube, j'en ai rien à foutre, ça va être sur YouTube en fait. Même ça, ça ira sur YouTube, je m'en fous complètement. Vous pouvez dire ce que vous voulez. De toute façon, il y a des mecs comme Psyodélique, là. Bon, qui dit pas toujours des trucs très malin. Si on me demande mon avis, mais après... c'est un mec qui... Il est persécuté gratuitement pour avoir une opinion, quoi. Le mec, il lit, limite, il fait... Il lit des dramas sans donner son avis. Et il se fait persécuter, quoi. Juste en lisant des trucs. Putain, j'ai l'impression qu'il faut que je mouche tout le temps, ça, hein, c'est un truc de fou. Et ça casse les couilles, ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup de faire chier les gens. En tout cas, j'invite tout le monde encore, hein, ceux qui veulent, de venir sur le Discord. Hein. La vie est un éternel débat. Hein. Je suis ouvert au débat, évidemment. Je suis ouvert au débat. J'en vois. C'est marrant parce qu'en ce moment, il y a un petit peu cette tendance. Je sais pas si c'est dû à quoi. Cette tendance un peu masculiniste, justement, pour dire les termes. Qui revendique. Bah, je sais pas, la puissance de la bite.
sérieux là. Qui revendique le masculinisme, hein, ça veut dire ce que ça veut dire. Ah merde hein. Ça veut dire ce que ça veut dire, hein, ça veut dire qu'on veut. En fait, ce qui est marrant, c'est que le masculinisme, pour en venir un petit peu à ce débat, à ce truc de féminisme de tout à l'heure, le masculinisme, il y en a qui disent ouais, machin, le masculinisme, c'est tous des machins, j'étais facho, bon, forcément, c'est l'extrême droite. Mais le masculinisme, on en est au point, enfin, on, je m'identifie pas à des masculinistes, hein, mais le masculinisme, en fait, revendique, j'ai l'impression, plus l'égalité des sexes, comme ce que faisait le féminisme à l'époque. Donc, est-ce que, quelque part, le masculinisme, c'est pas un truc qui est sain ? Tu as l'histoire ? C'est peut-être ça, en fait. C'est peut-être bien. Ouh là 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 là, trop gros, mec. T'es trop gros, frangin. Too much, c'est too much. Ah, c'est trop gros, là. Qu'est-ce que c'est ça ? One plus one bomb. Ah merde, ah, mais non, mais... Je prends parce qu'il faut le prendre, mais en vrai... En vrai, ça fait chier tout le monde. Alors, attends, qu'est-ce qu'on a ? Putain, la salle secrète, ouais, on s'en fout, vas-y, let's go. Voilà, quoi. Est-ce qu'on tente une super secrète, là ? Ah, lui, si on... Attends. Si on fait ça... Ah non, il file que des bombes dégueulasses. Ouais, il fait que ça. C'est vrai, j'avais oublié. C'était gâché. Bah, tant pis. Parce que ça, la super secrète est à la gauche, là-bas. Eh oui, c'est dommage, on ne le saura pas. Bon, allez, on est mort. On est full mort. Oula. Calme-toi. J'aime pas trop. Moi, je pensais qu'on était mort. On dirait qu'on n'est pas mort. Booster Pike. Joker. Card. Alors, le Joker, ouais. Magician, Judgment. Strength. Judgment, c'est pour la thune. Strength, c'est pas mal. Magician, c'est... Ah, c'est les trucs qui attirent. Ça, c'est quoi, ça? D'accord. Bah, tant pis. Bien, ça. Coucou. C'est gagné. Bon, ça a les coups. Ceremonial Robes, là. Et le Magician, quoi. On va prendre ça. Hop. Alors, tonsil, je sais plus ce que ça fait. Je sais plus trop ce que ça fait, mais j'ai pas senti une différence là, notable. Oh, pff, sérieux. Let's go. Ah, c'est bon, c'est bien. Ah putain, mais cassez-vous! Faut lui casser la gueule, putain. Quelle connerie. Ah! Niquez-vous. Bait! Putain, j'ai déjà pris. J'ai pris. Ah, j'ai pris une deuxième. C'est un peu dur encore. Hein, bon, on a des bombes. Ça, c'est la bonne nouvelle. Des instructeurs. Cricket 7, non. Ah oui, là, c'est les trucs avec des croix. Ouais. On cherche un rocher marqué. En fait, j'en ai pas vu depuis tout à l'heure et je me dis que c'est peut-être pas normal. Ok. Hein? Ah oui. Effectivement. Ah.
Oh, c'était gratos, hein. Plus gratos que ce que je croyais. Normalement, c'est moins gratos. Oh, oh bah alors. Le petit dime, là. Ah. Mais non, mais sans déconner. C'était quoi, ça? C'est quoi qui a trigger, hein? C'est quoi qui m'a trigger le truc? Je ne sais pas. Le tonsil, peut-être? Oh, non. Refus d'obtempérer, monsieur l'agent. Ah, ah, ah. Oh, niquez-vous, 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 niquez-vous. Ah. Mais je vole, bordel, comme un aigle royal. Je vole au-dessus de là. Arrêtez de sauter. Oui. Je pense que lui... Ah. Il n'y a que son aura qui reste, en fait. Enfin, qui bouge. Qui reste par taille. Hein. Vraiment dégueulasse. Tintin. Ah. Tire plus. Tire plus, monsieur. Je suis bien, là. Franchement, je suis bien. Ok. Il est bon. Comment on se gave de ouf. On est Gavax, quoi. Putain, j'attends Mugenix, là. Qui arrive en prochain, là. Ça va être la Gavance. Plus j'ai acheté son coffre en quest, je sais pas pourquoi. C'est un jeu que je voulais backer, déjà, de base. Je l'ai pas fait. Je me suis dit, ouais, j'achèterai. Puis je l'ai pas fait parce qu'il était à 30 balles. Ce qui est pas cher. Alors, après, je sais pas. Petit jeu indé. 20 balles, j'aime bien. 30 balles, ça devient cher. Ouah, ça, j'aime bien, mais j'aime pas, quoi. J'aime tellement pas. Putain. Ah non, si, c'est Cursed Delight. Ouais, c'est ça, Curacy Principal. Non, si, c'est bien, ça. Je crois que c'était le... The Mark. The Mark, c'est pas bien. J'aime pas. Je suis nul, là. Après, il faut juste garder le stick sur l'autre, mais ça te fait... détourner trop ton attention. U. Ah. Ah mais putain, mais nique-toi. Faut que je fasse gaffe à toutes ces conneries, hein. Sérieux. Oh, c'est quoi, c'est la gomme, ça? Let's go, la gomme. Oh. Non mais la gomme, c'est tellement OP, quoi. C'est... C'est du one-shot, hein. Je suis pas ouf. Ah, connard, c'est sûr, ça. Je tente. Ah, c'est de la merde. Non, c'est full de la merde. J'aurais dû garder mon truc. J'aurais dû garder mon brimstone de la mort. Après, on est pas mal, mais... Bim. On va garder ça sous le coude. La guepispo de ses morts. On va mourir si on prend ça. On est d'accord. On va mourir si on prend ça. Ça se referme ou pas? Oui, ça se referme. Sinon, c'est dommage. Voilà. Oh, de toute façon, Guppy, à mon avis, là, on va se la foutre bien dans le fion, là. Je vais reprendre mon truc, hein. Je vais reprendre ça. Ouais, c'est bien ça pour le boss. Ah oui, le... Bref. Ouh. Oh. Squeezie. Squeezie, le petit Squeezie. Coucou. Alors, on cause, là. On est bien. Bon, par contre, faut que j'arrête de shooter dans le vide, mais... Sinon, on est bien. Hop là. Bâtard.
Les caca. Non. Quoique. Nya. Oh, ça fait chier, ça fait trop d'aller-retour. Hein. J'ai pas envie. Je suis pas... Putain, mais je suis vraiment un connard. Ah ouais. Bon bah voilà, on a mis des stages, hein. En action pour monsieur l'homme. Ouais, peut-être aller mettre un petit peu les pieds dans la machine. Hein. Je sais pas si on a encore accès là. Je ne sais pas. Ah, il y a un bombman en bas, j'ai pas vu. Je tonk. Let's go. Ah. Moi j'ai des clés, vas-y, fuck. Un livre? Non. Un petit livre, ça aurait été bien. Je viens jouer, petit PD. Déjà? Oh. D'accord. Bah écoute. Bon, ok. Plus de questions. Ah mais non, mais bordel à fion. C'est quand même pas possible ici, c'est meilleur. C'est pas grave. Clang, 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 clang. Eux, ils sautent pas, on est d'accord. Eux, c'est juste des gros cons. Qui servent pas à grand chose. Mais bordel. Mais tu m'emmerdes. Mais décède. Merci. Il s'est un peu jeté dans les pics, lui. On est d'accord. Je sais pas qu'il pouvait faire ça. Oh, bah alors. Bonjour. Vous êtes perdu? ...47 de DPS, enfin de dommages. De dégâts. Ce que dis-je? La machine. Oh, bah alors. Oh bah si tu me dis des cochons, c'était comme ça aussi. On est où là? On est à... Ok, niveau. Debs 2. Normalement, c'est la fin, là. On est d'accord. Tip, 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 tip. Bon, bah voilà. Tu vois quand tu veux. Ouh, c'est un tears up, ça. Tears up. Ok, farm pills. Mais non mais, bordel. Mais c'est pas vrai. Ah, ça met longtemps à charger. Ah, ça picote, hein. Un petit peu quand même, là. Les deux. Ouais, ouais. Bah du coup, je sais toujours pas comment on diminue le volume de transport Tycoon. Voilà. Ça va nous casser les couilles, ça. Et là, on va tarbasser Hit Leaves, hein, on est d'accord. Un engin. Coucou. Bram, par derrière. Comme... C'est signé, quoi. The Hanged Man. Bah ben non. The Magician, quoi. Mais... Bon. Tididim. Putain, on va pas vite, hein. C'est pas la dingouze, hein. C'est pas la dinguerie de la vitesse. C'est pas grave. Attends, mais j'ai la batterie, là, normalement. Où est-ce que la batterie?
Non, la batterie, ça recharge genre bien plus vite, non? Si je ne dis pas de niaiserie. Attends, il y a les petits rochers marqués là. Il y a peut-être pas un petit rocher marqué là. Bien caché où il faut. Non, il n'y en a pas. Bon, mais il n'y en a pas. Pardon? Non, mais la blague. Je l'ai même pas vu, le bâtard. Attends, si je fais. Si je fais genre. Ça. Pour tester, hein. Pour tester, c'est un test, hein. Donne des trucs, toi. Donne des trucs. Radin. Bâtard. Donne un truc. Connard, tiens. Mange. Ça va être compliqué. Oh putain. Ça va être compliqué, non. Normalement, on est bien, mais. Oulée, détendez-vous. Ça va bien se passer. Oh, c'est tout, Kipeter. C'était chaud. Bon. Putain, mais sérieux là? Je suis tellement mauvais, quoi. Ah, c'est bien, ça détend un petit peu le slibard après les conversations aussi tendues, parce que c'était comme tendu. Putain, heureusement que j'ai le wafer, hein, sinon je serais déjà mort en fait, c'est garanti, quoi. Okay, c'est garanti que je serais déjà mort. Obligé. Thanks the wafer. Ouais, évidemment, on va full clear de ouf. On va tellement full clear, c'est obligé. Mais non, mais je suis vraiment le pire des connards. Je me jette dessus. Parce que sinon, c'est pas drôle. Ah, bordel. Mais vous faites chier au bout d'un moment. Bon. Là, c'est tout. Ah non. Ah, c'est que le fucking niveau 1. Bon, on est pas dans la merde. Ah bon, on se cache dans les cailloux. Suis-je bait? Oh, Binky, trop beau. Putain, je me souviens des noms, quoi. Putain, on a quand même un petit polyphème là qui tabasse bien sa mère, quoi. Tabasse bien sa race. Coucou. C'était que ça, quoi. Oh putain, en fait je peux bomber, quoi. Je peux bomber à l'infini les portes. C'est garanti, quoi. Je sais pas pourquoi je bombe ça. Il n'y a rien. Il n'y aura jamais rien. Bombe les portes. Je sais pas qu'est-ce que je me fais chier. Ouais, si, ça vaut le coup. Je sais pas pourquoi. Je dis que ça vaut le coup, en fait c'est de la merde. Oh, je suis un connard. C'est pas grave, j'ai gagné un demi-cœur dans l'histoire. Pourquoi pas? Faut que je m'entraîne à repérer les cœurs, les rochers marqués quand même.
Je suis vraiment la dernière des merdes à ce truc là quoi. C'est pas grave. Oh bah alors. On va tiens. Beaucoup d'armes quoi. Let's go. Double polyphème. Oh, bah oui, sinon ça serait dommage. Mais non, mais sans déconner. En plus, je l'ai verrouillé, je me suis jeté dedans comme un sac. Le sac à caca. Est-ce qu'il y en a là? C'est dur à voir. C'est dur. Enfin, j'imagine, c'est dur à voir. Ouais. Allô, mais foutez-moi la paix. Pourquoi ils foutent pas la paix? Pourquoi ils me tabassent le cul, quoi? Ça me fait toujours rigoler, moi, les proutes. En plus, ça fait du Tiny Planet, quoi. Collier de maman. Ouais, ouais. Ce serait bien de trouver un petit roche marqué, là, un truc comme ça. Hein. C'est pas que je désespère de... Oh, non, mais oui, non, mais là, tout de suite, là. Là, si c'est du guppy, je me suicide le cul. Bon, bah, écoute. HP up, hein. Je prends le HP up, quoi. On n'a pas tellement trouvé ça, le secret, hein. On n'a pas tellement cherché, hein. On va dire que c'est gagné. On va partir du principe que c'est gagné. Non mais sérieux là. En fait j'ai juste évité. Beat. T'as quoi? L'enfer. On va mourir. Go l'enfer. Go... Ah, c'est pour ça qu'on était mort tout à l'heure. Go l'enfer, bah oui. Voilà, voilà. Moult choses. Tout à fait. Vous êtes sérieux, là? J'ai horreur des trucs qui tirent. Nécropolis en croyant machin et en bordel. Arrêtez de tirer en croyant bordel. Putain quoi. Oh, putain de vos mères. J'aime pas ces trucs là. Non, non. Pas intéressé sur un. Ok. Oh putain. Ah, mon cul. Oh putain. Non mais non. Et je suis resté comme un gros goliot. Coucou. Oh là, on se détend. Oh là, l'œil infernal là. Putain, c'est pas calo. Hein. L'enfer, c'est vraiment de la merde. Faut pas y aller. L'enfer, faut pas y aller, putain. Un petit cœur bleu, putain, je dirais pas long. T'as raison que j'ai Gimpy ces merdes là, hein, tous ces trucs qui me protègent un peu là. Sinon ce serait un peu la chiasse. Ah bravo. Ah ça c'est 4 directions, je ne savais pas, figurez-vous. C'est 4 directionnaises quoi. Ah. Calmez-vous.
Oui, dis donc. Ah, vous ne vous arrêtez pas, vous. C'est pas l'ambiance. D'accord. Pas de problème. J'accepte. Ok. Bon, temps d'axe. Hein. Temps d'axe, là, ça tend. Isaac. Bah, comme d'ambiance, hein. Merde. Oh bah quand même. J'avoue qu'on est pas mal. L'ambiance. Ça tend premier try. Ah non, deuxième try. Oh le knife, le kniffet, Judas. Coucou quoi. Bon bah écoute, on a le une pièce du négatif. Ce qui est bien. Alors je vais voir un petit peu là sur Open Transporticore là parce que je me dis que en fait passement du fichier là. Readme. Quoi? MD. Je ne sais pas du tout. Je sais pas comment on ouvre ce truc là. Ok. Games base set long script. Je sais pas quoi. Change log. Ah. Qu'est-ce que c'est que c'est? Attends. Je vais taper sur Google. OpenTTD. Reduce volume. Option. Sliders. Ah, dans le jeu, quoi. Ah. Ah. Il me rappelle, mais VVV. Oh, mais on va se faire chier pour pas grand chose. Hein. Ah, de toute façon, ça capturait même pas le jeu. Putain, on s'en merdait pour rien. Donc voilà. Bah écoutez, moi, ce que je dis, c'est qu'on va peut-être arrêter le stream là. C'est pas mal. Bon, 2h04, c'est pas mal. Allez, c'est pas mal. On a bien débattu sans se battre. On débat sans se battre, c'est beau. En tout cas, je vous souhaite une très très bonne soirée, une très belle nuit. Je vous dis à bientôt. Et surtout, prenez soin de vous. Hein. Bye bye.